pour un débat en profondeur où la langue de bois est bannie d'avance. Suivez l'émission Intérêt public. Intérêt public, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Liliane. Le saviez-vous? Tous les sujets sont d'intérêt public. L'émission Intérêt public, diffusée le dimanche à 8h AM, reprise le mercredi à la même heure et le jeudi à 8h PM, est patronnée par Nissan Frontier. Émission Intérêt public, je n'appuie e-power. Olapalais.com. Auditeurs, auditrices, émission Intérêt public, je suis content de l'autre fois encore pour moi avec nous. Rendez-vous ça nous gagne chaque semaine. Et pour nous capables d'analyser la situation qui gagne dans le pays. La situation qui gagne dans le pays, c'est depuis 6 semaines. Nous connaissons le pays à campé, pays à bloqué, manifestation tout partout pour exiger démission de Jovenel Moïse. Mais dans la conférence pour la presse, c'était le 15 octobre, il est clair, il n'est pas démissionné. Au contraire, il vient des boucs émissaires pour tenter justifier présence li nan tête palais national là, l'organe de façon cumulée depuis un an pour valer manifestation, valer peuple qui descend dans la rue, c'est plusieurs millions haïtiens qui dépassent de 1000 coudées ti pour un monde qui t'a voté pour lui soi-disant. Mais li fait qu'on est, li pas fait ni un panago ni un paquita. Donc question qui a posé, c'est qui est-ce qui kembel 2 ou 3 ou 4 peut-être 5 fortune, plus grande fortune qui gagne dans le pays, peut-être, même quoi, dériver tout chiffre ça. International là, Maison Blanche, Département d'État, qui est-ce encore, Core Group, Union Européenne, et l'ONU, et même qui kembel. Parce que, en même temps, faut que nous notions, il y a un silence radio sonore sur Haïti, au niveau presse mondiale là, et qui pas couvrir dossier haïtien s'il retire 2-3 articles tant que ça paraît dans New York Times en première page semaine ça et nous capable dire globalement pas gain couverture médiatique sous Haïti là n'a comparé à tout l'autre point chaud qui gagne même situation haïtien qui c'est Chili qui c'est Liban et qui c'est Catalogne et qui c'est Hong Kong n'a regardé pour nous toute couverture que gagne. Et mais en même temps tout c'est pas silence ça ou seulement gain et gain des l'autre silence sonore conseil sécurité réuni sous Haïti gain une semaine dans ça qui concerne et déplotonnage BINU bureau intégré Nations Unies en Haïti qui remplacé MINUSUS il pas dit un mot sur actualité pays d'Haïti conseil sécurité qui a droit de veto et qui c'est eux même qui prend des gros décisions et dans Nations Unies. Et 5 membres permanents, on a rappelé qui c'est États-Unis, la Chine, la France, Grande-Bretagne et la Russie. Il n'a pas dit un mot sur la situation du pays d'Haïti. Ou bien tout, gouvernement américain, département d'État, qui a réagi sous l'élection passée dans le pays Bolivien. Il a dit qu'il a suivi de très près, il a aimé ça. Mais il n'a pas dit rien dans ce qui concerne Haïti. On a regardé le Vatican. Par exemple, semaine ça, pour la première fois, religieux et religieuse étaient dans la rue et concernant situation politique pays. Mais Vatican, pape François, qui a dénoncé oppression, corruption, pas rien qui dit sous dossier haïtien, sous revendication peuple haïtien. Et nous sommes capables de continuer comme ça, liste très longue. Organisation État américain qui est intervenu, c'est IDH, Commission État américaine de l'Amoun, et sous dossier chilien. Qui gagne à peine 5 jours, mais il n'y a pas dit rien sous dossier haïtien. CARICOM, Haïti c'est mon pas dit rien sous dossier haïtien. Donc, liste est très longue. Mais l'on a dit ça en même temps. Gagne une précaution pour me prendre. Ce n'est pas ingérence, nous m'en mais nous dit, nous compte indifférence. C'est à la fois non-ingérence et non-indifférence. Nous pas d'accord avec l'indifférence qui est sous Haïti. Un pays phare, nous fait partie de communauté internationale là. Et nous c'est un pays qui construit en pile institution ça qui existait journée jeudi. Par exemple, nous prenons Nations Unies. Parce que si Haïti pas là, langue française pas fait partie de 5 langues obligatoires dans Nations Unies. La France pour contre, n'est pas capable de faire. Québec pas un pays, on est dans le Canada. Et de ça, il n'y a pas de quoi décoloniser l'Afrique. Donc c'est Haïti qui te défend dossier ça. Donc nous-mêmes nous gagne droit et nous croyons dans le monde là et ancêtres nous dans bataille yo te mené c'était une bataille qui était l'ouvri sur le monde.
Donc nous pas demander ingérence mais nous compte indifférence non surtout les comparaison devant nous. Nous n'a regarder qui j'ai fait ça pour l'autre pays. Bref, ça c'était un point qui méritait pour nous faire mais n'a venir à sujet nous. Sujet à dans conférence pour la presse salté bay sans attendre et c'est une rare conférence pour la presse Jovenel Moïse bay. Eh bien, lui parler de système là. Il dit c'est système là qui fait payant pas qu'à marcher. C'est système là qui fait lui échouer. C'est système là qui fait toute promesse qu'il était fait peuple haïtien dans campagne électorale, il pas accompli. Pour bay tout pour manger, bay tout pour travail, mettre l'argent dans poche tout le monde et pour prendre tout élément de la nature pour mélanger pour faire développement en Haïti, alors que régime li la donne non et fait un premier mandat 5 ans et lui même li gétan dépassé moitié non mandat li soi-disant gagné. Donc dans conférence pour la presse cependant, là tout pour n'attend explication journaliste qui était là confrère consoeur yo sous système non, li bal non. Système non qui s'allier pour Jovenel Moïse. C'est trois entreprises. Une est les Sogener, l'autre la relé Etrac et l'autre la relé Ipower. Plus deux hommes d'affaires qui très puissants. C'est Reginald Boulos et Dimitri Vob. C'est ça qui système là. Les journalistes à Tingting ni Mandel plus explication, il dit suivez mon regard. Donc si vous carif font coup de jet pour un système là, donc nous pas gagner et selon lui-même problème système ça li pas dans économie non li pas dans l'état li pas dans système éducation li pas dans système santé non li pas dans culture non li pas dans comportement non li pas dans philosophie non li pas en quel côté de pour prendre monde ça yo et li passer de la parole aux actes quelques temps après le film by conférence pour la presse non et trois compagnies ça yo li gétan prend action contre yo par exemple li saisi et possède les sous matériel et trac li voye mandat bay Sogener et même Jean Ipower en plus de ça la poursuivre et trois anciens gros responsables dans l'état deux anciens ministres Franz Verella et ak Daniel Dorsenville et qui était ministre finance ak économie et puis ak ancien directeur EDH monsieur Raphaël et peut-être yo te signé et contrat ak Ipower et ça li annoncé la poursuivre. Et l'ONA tout paraît yon note dans même fouléa pour annoncer la augmenter taux d'intérêt de prêt que te bail à 3-4% et di passer yo non niveau et X d'après ça l'ONA dit. Donc li passer de la parole aux actes contre système non. Et li dit c'est pour capable et résoudre problème pays et li insister encore à travers note pour la presse qui sorti dans secrétaire d'état en fait non beaucoup secrétaire d'état communication c'est pour améliorer condition la vie peuple qui fait la poursuivre deux anciens ministres et ancien directeur EDH. Professeur Victor Benoît te dit moi et c'était avant conférence pour la presse là. Il dit faut que faut émission sur système non parce que tout pour parler de système qui ça système non il était même suggéré de monde mais moi j'ai un choix pas tout. Mais malheureusement tout le monde m'était voulait pour être là dans l'émission ça, il y a pas capable là, journée aujourd'hui, mais nous avons suffisamment de expertise beaucoup de table pour nous capable traiter question. Et question c'est qui ça y aurait le système. Des font petit coup d'œil dans dictionnaire pour moi qui ça dit. Je dis système non, c'est un ensemble de principes coordonnés qui organisés une façon pour former un tout scientifique ou bien un corps de doctrine. Par exemple, je parle de système philosophique. Un ensemble d'éléments, yo considéré dans relation yo, yon ak l'autre qui fait partie d'un tout qui a fonctionné de façon unitaire. Par exemple, je parle de système nerveux dans corps moun et différents systèmes politiques. Tout, et une troisième définition, c'est divers procédés pratiques qui organisé, qui l'a défini, par exemple, système éducatif. Ou bien tout moyen, plan, employé pour capable de jouer un résultat. Système défense, par exemple, m'ont accusé devant tribunal. Un bon système pour capable arriver faire fortune. Gagner tout appareillage, dispositif, qui formé de divers éléments, qui assurait une fonction bien déterminée. Système de fermeture, système optique.
ou bien société considéré comme un ensemble qui structuré et qui rigide qui doit entrer dans le système ou bien en tendance penser ou bien agir selon un système de valeurs qui rigide ou bien dogmatique et gagne on parle de système dans défense et donc bref c'est diverses définitions et système non li gagne et plusieurs applications dans divers domaines ni dans corps nous en tant qu'individu anatomie ni dans géologie dans philosophie dans psychanalyse dans sport dans télévision médias tout ça voilà et trois invités pour nous capables connaître qui ça système non pour nous débattre de sujets ça qui très populaire non seulement en Haïti mais nous c'est tout partout côté peuple en colère il a demandé pour changer système nous tendez paroles ça au Liban nous tendez li en Catalogne nous tendez li jodi a au Chili et nous tendez li même dans question revendication qu'a fait concernant résultat élection dans pays Bolivie bref c'est tout partout en Irak il a dénoncé système corruption et système pesé sous c'est tout partout professeur Victor Benoît évidemment tout seigneur tout honneur et nous va présenter professeur Victor Benoît encore tout le monde connaît expérience li bon non situation la bagay présenter personne non parce que est-ce que pour présenter professeur Ted Syndic ou bien économiste Fritz Jean ancien gouverneur banque centrale non pas besoin présenter n'a pas appelé seulement et Fito publié deux livres et dernier c'est l'économie de la violence sous système économique exact paul@palais.com Monsieur, bienvenue dans l'émission Intérêt public. Professeur Benoît. Oui, bonjour Lily. Hein? Et bonjour Fito. Bonjour Ted. Des amis. Et je suis bien content. J'ai eu l'occasion de participer dans l'émission ça. Qui dit que bon. Mettez l'accent sur ta bonne pédagogie, puisque moi, on va aborder des questions à un professeur, ou à un dictionnaire, ou prendre plusieurs éléments pour nous permettre de comprendre. Donc, moi-même, ça m'est capable de dire, et sur ça, à travers toute présentation qu'on fait sur ce système-là, et mon cas dire que, bon, bagaille que, mon cas, tout le monde a fait pour être. C'est que nous, un système, il y a plusieurs éléments. Ce sont ensemble d'éléments que liés. Et l'élément ça, il est interconnecté, l'une marée avec l'autre. Hein? L'une agit sur l'autre. Hein? Et c'est l'homme mettre ensemble qui est bon caractéristique du système. Non? Et nous, on que thème dans le vin populaire, hein, en Haïti, qui est dans atterri sur Haïti. Hein? Et pour nous dire, on va parler d'un système en Haïti et à la lumière des sciences sociales. Le faut prendre bah, il y a une dimension économique, là, une dimension sociale, une dimension politique. Là. Dans la dimension économique, là, on va, et faut nous dire et que caractériser hein, et aspect économique là. Hein? Donc ça nous dans nos pays, n'est-ce pas, disons d'Acadie, du point de vue économique que moi-même considère comme pré-capitaliste. D'accord? Ou bien quelques éléments de modernité capitaliste, hein, dans le commerce, dans l'industrie embryonnaire, etc. Et au niveau de quelques services. Mais il n'y a pas qu'à côté, il n'y a pas qu'à côté dans le pays. Il n'y a pas longtemps, c'est trop qui ont la fête. Hein? Ça va gagner pour avec le capitalisme. Il y a une question de domesticité. Donc c'est de côté. Donc, c'est quel, n'est-ce pas, de l'esclavage, hein? Enfin, l'opre, on a dit, tout secteur primaire, là, on est économien, hein, n'est-ce pas, son secteur, n'est-ce pas, qui est très, très faible. D'accord? Donc, tout ceci pour dire que nous avons une économie, n'est-ce pas, plutôt non performante, hein, qui pas répondre à besoin population, hein, et puis, qui, mon cap dominé la dernière, c'est ce que,
et aussi de bon appel, n'est-ce pas, des rentiers, hein, ce qu'on appelle les et bourgeoisie comme bras dollar, hein? L'économie de rente. Oui, on s'est une capacité pour vendre, etc., qui part en production. Quand il y a l'or, prenez le système dans la dimension sociale, li, moi, ça caractérise, li, c'est, et, je dirais, de grandes inégalités, de grandes disparités dans la société, hein, entre une minorité, hein, qui gagne en pile richesse dans le monde, et en majorité, et masse moun pauvre, on prend qui est dans une extrême pauvreté, et puis il y avait une classe moyenne qui perdu qui est cartelé, n'est-ce pas, qui est très faible tout, hein, ou un système que depuis nos sorties dans la colonisation de l'esclavage, mais qui cap tout porté, n'est-ce pas, du vieil séquel, hein, jusqu'à présent, oui, moun nan pays qui est raciste, hein, et côté méprisé. Et la langue créole, hein, quand on méprise la culture populaire, hein, vaudou. Et vaudou, et tout ça, ou bien de grandes disparités régionales, hein, et entre la capitale nationale Port-au-Prince et le reste, n'est-ce pas, du pays, etc. Donc c'est bon pays, n'est-ce pas, qui est intégré. Mon nom dehors. Oui, il n'y a pas de la ville, de la monde, de dehors. Vos entrailles. Ou bien de la dehors, etc. Donc tout ça, il y a un système dans tout. Hein? Maintenant, qu'on y a. Dans l'aspect culturel? Oui, ou aspect social et culturel, qu'on y a appris dans sur le plan politique. Moi, je n'ai pas été trop sous lui, mais je dis, moi, il y a deux bagages qui caractérisent lui, ou je n'ai pas été sur le plan politique. C'est généralement des pratiques dictatoriales. Hein? Parce que même le monde qui dit qu'il y a défendu la démocratie, etc., généralement, où elle arrive au pouvoir, c'est dans l'ouverture, n'est-ce pas, de la dictature. Et ensuite, la corruption. La corruption, hein, c'est-à-dire que sous toutes ses formes, hein, que ça qui prend directement dans l'argent dans la caisse de l'État, que ça même qui fait combinaison avec des étrangers, hein, ou bien avec des gens du secteur privé, et pour détourner, n'est-ce pas, les fonds de l'État. Donc, bref, système ça, que généralement, le peuple a relé, système baisé sous CA, et on a dit son nuisance que lié. Son nuisance que lié pour. Pour développer le pays, n'est-ce pas? Et donc, là que, personnellement, j'entends des présidents parler l'autre jour de système, et je me dis, mais ça a passé là, hein? Ça a passé, hein? Parce que lui-même, il est le produit du système, il est le bénéficiaire du système, et je dirais même, il est le gérant du système, d'accord? Donc, il est tout qualificatif, ça, hein? Oui, oui. Donc, alors, moi-même, je pense et que dans le moment ça que nous y a, faut que l'autre des chefs d'État li en difficulté ou elle a pu utiliser mon système là, bon c'est banaliser la banaliser li, hein, et c'est que l'homme nous dit, ah, puisque vous avez parlé du système, ouais, donc pas grand insécurité là, d'accord, donc nous pensons que et ce système, il faut que yo transforme li, hein, et li, puisque n'est-ce pas li montrer que li pas qu'aller plus loin, hein, li pas qu'avoir apporter des réponses aux problèmes de la nation, aux problèmes de la société, etc. Et faut nous dire que le système dans la dimension internationale du tout, hein, puisque Haïti pas vivant en vase clos, hein, nous appartenons à un monde, hein, et que côté n'est situé géographiquement par les options faites par les élites de ce pays, et de groupes de pays, n'est-ce pas, nous avons contact avec eux, etc., nous appartenons à certaines organisations, etc. Donc, Dakadi, dans le système mondial, là, j'en ai aujourd'hui, un peu, pas seulement aujourd'hui, depuis 19e jusqu'à aujourd'hui, c'est que, je dire, la relation que nous avons avec eux, hein, avec le monde tel qu'il est, eh bien, c'est un bagage qui tout fait payer. Hein, qui va bien payer à chance et que pour nous capables d'aller de l'avant. Et dans le SAA, l'international n'a pas fait comme ça, il n'a pas fait pour contre lui. Il fait avec la complicité, hein, de certains membres du système global qu'on gagne d'Haïti. Moi-même, c'est comme ça que je suis dit. Et pour définir le système. Ouais. Bon, qui est-ce qui a continué? Bon, et moi-même,
Pas de problème avec Jean et professeur Benoît aborder question sur catégorisation et enfin aspect social, politique, économique et question de système qui existe en Haïti. Mais il m'a dit d'abord, même temps il s'est abordé son question qui est fondamentalement c'est mode d'appropriation des richesses en pays, à la question de qui Jean Moun développer capacité pour venir quoi pour développer capital dans le pays. Côté comme ça, je sentis que j'ai monté. Et je gagne dans le sens de ma vie en prédominance sur l'aspect politique, beaucoup plus que économique et social. Comme si en Haïti, d'après même, j'en comprends mal les ébats, phénomène d'abord politique, c'est politiquement pour le mieux poser, et puis qu'on y a gagné des sous-bassements économiques, des sous-bassements sociaux, des organisations qui basées sur situation politique qui existait. Si nous dit que au départ, ou t'es moi-même mes approches rentrant parce que c'est fondamentalement et historiquement vrai, c'est que si nous prenons d'abord bagage de rappeler sur rente foncière, si nous dérapons dès le départ pour le milieu, ça que pays a été gagné après l'indépendance, c'est essentiellement richesse fondamentale, c'était terre. Les gains terre et toute terre par la main des généraux et par les problèmes des salines qui demandaient une répartition équitable des terres. Parlons bonne discussion pour le faire sur le mode d'appropriation des terres. Mais le mode d'appropriation des terres, là, c'est pour qui ça? C'est pour être capable de faire pousser l'accumulation, comment la classe sociale peut l'organiser, structurer à partir du moment où j'ai accaparé terre, j'ai un propriétaire terre, côté pour commencer à construire richesse. Et il n'a pas continué à aller vite, mais cependant, on a dit que fondamentalement, ça a un aspect ça. Et c'est base ça qui prend le barreau, là, qui sont des salines mourir, assassinés, et qui prend le bord, qui j'ai une structuration, ça relie la République avec Pétion, qui j'ai pral organisé. Et depuis ça, l'État, ça, qui monte même le tout, parce qu'il n'y a pas de système. Il y a dans ça détaché système de l'État. Moi-même, moi, toujours voulais tourner à l'État. Parce que pour moi, c'est l'État, j'ai l'organisé, qui définit, j'ai un système, ça a fonctionné depuis 1806. C'est j'en ai ça structuré en termes de loi, de code rural, de code de commerce, de code pénal, que l'on prend en France, tout le monde, base organisationnelle, le système politique et social là, et qui est économique, tout parti à partir de ce moment-là. Donc, à partir de rente foncière, qu'on sortit parce que mon Dieu qui était, aussi de ça à vivre, et c'est pas au cap exploiter terre nécessairement, c'est mon cap bénéficier de l'histoire sous forme de moitié, soit sous forme de pareil, de collecter comme là, à un certain moment, et puis mon y a travail faire, parce que, grande question de travail dans le pays, tout, qui est important dans la question système, non? Parce que si ça n'a pas valorisé le travail en termes que source de richesse, mais il prend un travail comme un bagage, une peine, un bagage qu'on équipe, mon condamné pour faire, et qu'on sait le monde qui va besoin faire, parce que plus intelligent, yo socialement plus avancé, yo gen plus culture, donc yo même à niveau que yo yé, c'est pas des rentiers essentiellement. À mais niveau yo, c'est pas pénibilité travail là qui fait yo t'es comme ça au début. Non, c'est parce que son différenciation sociale, ne pas travailler en Haïti et bénéficier du travail des autres, son différenciation li mettant au niveau social qui est supérieur à mon cap travail. Et comprendre le travail masse non, il est oui. Pénible. Non, il est pénible parce que pas j'en bal condition, pas condition pour améliorer j'en travail là, ni technique li développer et tout, il pas prendre qu'une valeur pour ça parce que pas j'en quitter que accumulation que le fait à partir du travail li, que le cap réinvestir pour développer capacité de travail li, et capacité technique li, pour l'avancer. Et c'est ça parce que ben absenté ici. Nous toujours ramasser comme là en l'air. Donc au gros premier bail qui les renforcer que je pense fondamental. Deuxième bagarre, à partir de la fonction, elle vient suffisante, pas capable. Mounio essaye de faire des tentatives industrielles qui n'ont pas marché. Il essaye de faire. Monter des petites entreprises qui parlent loin. Et immédiatement après, elle vient nécessaire pour eux parce que la terre n'est pas suffisante pour les richesses qu'ils ont besoin. C'est la rente commerciale qui vient de paraître. Mounio vient tomber dans l'import-export en masse. D'autant plus que grâce à la tech, tu as produit, tu as fait café, tu as fait tout le bagage, et produit, tu as exporté. Il y a même l'État qui vit de ça, l'organisation et la politique de l'État. Et l'administration publique de l'État t'a vive de ça et au même tout t'a vive de ça monde qui t'a travaillé dur pour produire café pour du bail ça yo pas gagné t'a bénéficié de lui parce que le premier capital là le lendemain de l'indépendance c'est terre. Et du, bon ça plus grave là je dis à toujours et moi même la réflexion pas moi qui être plus devant nous va laisser développer pour nous discuter de ça. L'irrité est une richesse fondamentale. Oui, tout fondamental. L'irrité est une richesse fondamentale, sinon la principale richesse d'Haïti sans compter ça qu'en balle pas contre ça qu'en bataille. Parce que il y a un bagage qui dit nous pas connait ça qu'en bataille, nous pas connait ça qu'en bataille. Donc ça veut dire que l'irrité pour moi comme une richesse élément fondamental de la richesse nationale et que mon gars pour nous répondre positionner nous faut comprendre ça lié. Mais c'est vrai que pour dire que immédiatement après le fait que le vin pas une valeur, c'est parce que justement la terre n'a jamais été basée sur la valeur mais beaucoup plus comme un bien.
ou bien que c'est le bras le vendre seulement, ils ont valeur d'échange, ils ont valeur monétaire, qu'on a collé à lui-même, mais ou pas capable de dire que je veux dire, tel pays d'Haïti, 27 150 km², et qui vaut à tant millions de dollars, ou bien à tant milliards de dollars. Pas qu'une valeur, ça. Et les que vous faites dire, enfin, on a besoin un peu plus. Mais on dit d'abord, on est à faire rentre, non? L'on vient dans rentre commercial, là, effectivement, on vient dans une situation, et en même temps, tout, sa structuration système non, du point de vue géographique a fait en même temps constat en fonction de développement ça a fait là en fonction de gens on a sorti dans terre yo pas exploité encore du tout pas qui pas rentable pas bon pour yo yo pral vers commerce de gros mais toujours pour vendre masse moun qui derrière parce que c'est ti mangeant l'air que pral prend donc ou rien ça qui était jusqu'à présent donc système ça pral fait qu'on obligé considérer que moun qui a produit qui a travaillé la terre pas rien. Donc ces caractères sociaux là, y a pas rien, y a pas accès, y a pas droit à santé, y a pas c'est même genre à l'époque la colonie, y a pas droit pour y a traitement, y a pas rien du tout. Y a pas crédit, y a pas crédit, son aspect social y a pas rien du tout. Y a pas équipé, mais là seulement pour produit pour me garder un petit bénéfice pour chercher là. Et mais là moi même toujours après blond bah on est vraiment privé, là en conférence sur tes faits et on bah économique t'as fait dans l'université qui est toujours là, université Kiskeya. Et puis, il t'avait expliqué le second homme d'affaires qui paraît. Et puis, il expliquait que parents lui-même travaillent du en pile. Pour elle, là, j'en viens aujourd'hui parce que parents travaillent en pile qui fait le gain comme. Comme s'il a bah, une notion de valeur au travail, alors que lui-même, particulièrement, sous une histoire familiale, ou après que pas gain le travail au départ. C'est pas le travail. Mais ça veut dire l'autre monde qui pas gagné ou pas travail. Oui, c'est comme si pas travail. De ça, assurer, ou faut comprendre, c'est toute partie ça de discrimination et de différenciation sociale. Oui. Monde qui a travaillé réellement, il a dévalorisé comme il pas gagné rien que l'a fait. Et que ça l'a produit à pas utile en rien. Alors que c'est de ça que le pays a vivre. Donc, différenciation sociale, ça, à partir de, c'est ça base à partir de la théorie. C'est le fait que monde comprenne que ou même qui a pleuvé ou, qui a séclé, qui a cueilli, qui a fait tout le bagage, soit faire avant rien. Mais par contre, sous pas faire, moun qui a dou, il va avoir, il va faire rien, il va pas vivre lui-même. Parce que c'est de sale vivre. Sans pas faire rien lui-même. Donc, ou gon structuration sociale. C'est moun qui a une balance, non? Oui, exactement. Ou gon situation sociale qui basé sur ce bagage là. Et c'est le base système, non? Système d'exclusion à parler parce que moun n'a pas rien. Il vient de raconter, il va aller à l'école, il va faire rien. Yo même tout, c'est pas le plus grave. Yo pas arrivé en côté pendant, avant que nous arrivions peut-être en 50 dernières années, yo même pas besoin à l'école tout presque. Parce que depuis qu'on fait les 4 opérations, c'était bon. Depuis qu'on fait addition, pour qu'on ait que 5 plus 5 bon 10 gouttes, 2 lones plus 4 plus 2 zones bon 4 tonnes, ou t'es déjà comme si à un niveau de suffisance, de connaissance pour le système de fonctionner. Donc, là, on prend fondamentalement aspect ça, moi-même, plus à là, m'expliquer que, qu'on y a, ça obligé de prendre une forme d'organisation politique. Yo vient faire un bail avec les présidents d'un pays, hein, comme un monde qui l'a pour distribuer. Enfin, pas distribuer seulement, mais c'est lui qui autorise, on sait, de transactions faites. C'est lui-même qui vous baille dernier mot, il y a un problème dans le système. Nan. C'est lui pour dire, ou même on peut faire ça, ou même on peut acheter 1000 carottes. Ou même on peut acheter 1000 carottes. Donc, il y a fait de président, il y a une autorité qui est supérieure au système judiciaire, soi-disant, il met en place là. Système social met en place là, il met le secondaire à président. Et président, c'est le tout. Et c'est ça, on vit aujourd'hui. C'est un véritable gardien système. Oui, l'on retourne, justement, l'on retourne aujourd'hui avec le président Palo Joël Paléa. C'est parce qu'il est conscient que bon, bon bagage qu'a réglé sans lui-même, il n'y a pas qu'à régler. Parce qu'il a besoin de moule. Et c'est moule ça, que le penser que le bail peut être mal. Il a été baillé, pour ça, il a été mis pour le bail moi, il a été baillé aujourd'hui, il s'en plaint de cela. Que lui peut être mal baillé, et le monde il baillé, il ne peut pas l'aimer encore après. Parce qu'à un moment, il est obligé de venir de côté pour dire est-ce qu'il a fait ça. Il te dit oui, il y a quoi pour faire. Et qu'on y a moun ya fa fait pa yo. Et qu'on y a monsieur qui a un problème ça. Donc, situation, alors maintenant, les lapidaires, c'est de façon pour me dire, si vous êtes là dedans pour comprendre mieux, ou qu'a fait étude pour avoir souli. Mais structuration ça, c'est fondamentalement ça, système nan, je dis, pas gain en termes d'équité, pas gain fait justice. Comme si vous même montrez, il faut juger, même là tout le monde juger. Ça va exister. Parce que vous avez toujours un chef en l'air. Si c'est pas le président, vous équipe qui va décider de sort. Ce n'est pas juge qui a décidé, ce n'est pas règle qui bat la société, les lois pénales et compagnie, ce n'est pas un juge vrai, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ou si on contrat, par exemple, on prend ça qui a privé la président Abdi là, ou si on contrat, mais principe contractuel, tu as voulu que son bail après l'eau, je ton côté, vous discutez de les deux modalités. Mais le président, puisque lui-même, il connaît que certainement, ils vont te prendre là, il faut que c'est un président pareil, il a une bonne autorisation, il a aujourd'hui à penser qu'il a évoqué le tout.
Parce que c'est sa parole, c'est la parole du président qui t'a engagé les partis qui t'ont réunis. Donc, c'est ça, systèmement, fondamentalement, l'opprend, faut aborder comme ça. Et puis ensuite, on regarde après, ça va venir après. Mais on a tourné pour nous comprendre la difficulté qu'il y a entre ça, monsieur et Jovenel Moïse Abdijodia, par rapport à ce système-là. Et pour qu'ils sachent comprendre que c'est 2, 3, 4, 5 mounsa, qui système-là, pendant la négligé reste là. L'obligé de négliger reste là, parce que reste là, c'est le support. Et on a dit pour qui ça, que c'est le support que. Fito, système-là, et qui ça allié? C'est intéressant, ma preuve, on dit soudé, Anibaï, que peut-être dire, sous question de président, parole président, c'est lui-même qui comptait, ça que le président réagit de cette manière. On t'a dit, le président a une certaine nostalgie. Parce que système non, j'ai qu'on a parlé de l'IA, entre petit système non, que je regarde comme mode de relation qui est établi entre différents mondes de la société, et entre différents groupes de la société, puis qu'à produire richesse, et tout pour qu'à distribuer richesse. Et souvent, ça a changé à travers le temps. Et peut-être que nostalgie, ça que le président y a, c'est le fait que le président lui-même qu'on y a là, comme système là, j'en viens de développer à forme que l'on prend là, il vient de mettre l'État en captivité, le président a remarqué qu'il va gagner capacité ça encore. Mot que le président a gagné il y a de cela 20 ans, mot que président, alors importance mot président te gagné. Alors, poids mot président gagné il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est plus le même poids. Maintenant, si on a parlé de système, je suis bien content que tu aies commencé par dire que lui-même l'a commencé par mode d'appropriation de richesse en la pays, bien que je dis que lui-même l'a gardé sur plan de vue politique. Moi, je vais retourner pour me chiter sur point de vue économique. Je pense que le n'a gardé système, et que nous caractériser comme arrangement qui fait entre les gens de la société et entre les groupes de la société pour nous produire richesse, en même temps pour nous distribuer richesse. Je dis que tout ça qui vient greffer sous lui, en termes de l'élément social et l'élément politique, c'est pour qu'il ça, pour qu'il y ait mode d'arrangement ça. Et mode d'arrangement ça, si nous regardons comment il évolue à travers le temps, on ne peut pas aller trop loin comme si on allait entrer dans 1800, on a juste regardé le 20e siècle et le 21e siècle. Sous prend par exemple Duvalier. On prend la période Duvalier de 57 à 87, à 86. C'est Duvalier qui était le maître et seigneur. C'est maître ça qui a fait riche, qui a fait pauvre du jour au lendemain. À partir de 86, on vient de une sorte de mesure dans le pouvoir ça, que l'État ça a gagné, que la présidence ça a gagné. Côté que, et si c'est vrai que l'État ça, ou bien le monde qui représente l'État particulièrement, présidence là, exécutif là, il était toujours gagné capacité pour faire monde pauvre, monde riche, mais il vient de gagner des mondes qui gagnent des pouvoirs sous eux. Par contre, à partir de 2004, et c'est ça qu'on a expliqué dans le dernier livre là, à partir de 2004, on vient de gagner une transformation extrêmement importante qui fait dans la relation entre l'État, ça, gardien de ce système, et monde qui a joui de ce système. Et là, transformation vient extrêmement importante. Ou vient gagner une mutation qui vient faite en 2011 dans le système, non? Côté que des investissements extrêmement importants, c'est eux-mêmes qui mettaient M. Matéli sous pouvoir. Et ça vient renforcer en 2015 avec Jovenel Moïse, l'actuel président de la République, M. Moïse, côté que c'est l'argent, des millions de dollars, qui mettait sous table là. Et d'ailleurs, tout le monde songeait ça qui est arrivé, Jérémy, côté que bateau fer, bateau du riz, bateau poids, et bateau et produits alimentaires, et après cyclone et. Mathieu. Après cyclone Mathieu, côté que emblème président, emblème parti président, t'es en dans sac du riz, téléphone t'as distribué, etc. Donc, ça montrait que c'est Moun Sawa qui mettait président ça, qui mettait forme de gouvernance à Kenyan à partir de 2015 là. Donc, relation t'es gagné entre exécutif là. Et reste société, il changeait de manière drastique à partir de 2011. Ça fait ça. Il changeait parce que 2011, on gagnait des opérateurs économiques qui ont même s'est commandé, sollicité, que était qu'on sollicité appui exécutif là, dans la question de production et distribution de richesses. Là, qu'on y a là, c'est eux-mêmes qui imposaient. Ils ne commandent plus, ils ne sollicitent plus. Là, pour le cas de présidence de M. Moïse, là, Il n'y a pas demandé des privilèges au niveau du ministère de l'économie, des finances, au niveau de la douane. Non, tu n'as plus ça. Maintenant, c'est eux qui dirigent les appareils de l'État. Donc, ça veut dire qu'on a un autre type de relation qui établit entre reste société civile là, et reste secteur des affaires et l'État haïtien. Donc, si mais c'est... est-ce que homme d'affaires pas toujours qu'on finance et politiciens ou dans la campagne. Mais relation, pas de même genre. Relation quotidienne, sauf vous prendre avec René Préval.
René Préval sûr et le gouvernement, c'est sûr que tu as gagné des sollicitations pour question de financement, etc. Avant René Préval, tu as gagné ça. Par contre, l'État restait le lieu d'octroi. Et ça dépend de humeur, président, etc. C'est lui-même. C'est ton gardien qui t'a gagné un rôle beaucoup plus important pour le système. Par exemple, Père Brandt, il a dit qu'on dit c'est cap gay. Exact. Mm-hmm. Exact. Mais là, c'est plus le cas. Et en 86, bah, on se songe, t'es dans la période de déboucher sur campagne électorale 87, première élection, t'es gagné une compagnie machine qui vend machine ici, une marque machine. Et bien, tout candidat à la présidence, c'était la même machine. C'était la maison qui était bayou. En après, il a retiré plusieurs là-dedans. Mais il était bayou, jouissance machine. Non. Très bien. Donc, pour te faire campagne. Ça que nous... ça? Oui, très bien. Très bien. Donc, ça que nous avons regardé. Donc, il y a deux aspects dans la question du système. Non. Et tu as parlé de mode d'appropriation de richesse. Ça, il permet de faire ça. Mode de production de richesse et de distribution. Mais il y a un deuxième aspect extrêmement important. Que Jean arrangement ça fait, c'est lui-même arrangement ça, c'est lui-même qui bon régulation de comportement de moun yo en da système côté que système est là population 11, ça veut dire élection yo financer directement pouvoir politique là exactement à vision il y a un petit problème si tu peux moi même moi penser que depuis 85 c'est ta ici comme si capacité de renvoi ils n'ont la liberté de faire ces mouvements et d'être plus agressif pour prendre l'argent en dedans structure l'état chapé yo yo pas gagné. Et pour qui ça me dit ça, c'est que regardez on dit kounya là que on prend sur la question yo pas arrivé faire parce que rive la question yo obligé à le dire il y a des puissances externes on dit yo prend combien non et on prend on prend forme justement on va l'expliquer c'est parce que reconnaissant leur faiblesse pouvoir politique. Parce qu'ils ont remis ça complètement aux puissances externes et particulièrement les États-Unis d'Amérique. Je dis à y obliger quelque soit résolution au prend sur la question du départ du président, faut que même il y a un accord final de l'ambassade. C'est lui qui a décidé de qui ça va passer. Et c'est ça en faiblesse. Et l'État j'ai été structuré avant, d'accord avant et 1986, mais jusqu'à 2011. Pas un problème que l'Église ait une importance dans l'État. Du point de vue de pouvoir d'État. T'es gagné l'armée? L'armée, t'es gagné pouvoir d'État, le parlant pas existé. Le secteur des affaires, moun gagné l'argent, gagné moyen l'armée, t'es représenté un pouvoir politique. Mais ce pouvoir politique. Économique? Politique tout. Politique tout. Il pouvait décider à un certain moment qu'un président après deux, il va prêter. Il t'a dit, il a fait grève, il a fait, mais le président tombé. Il a fait grève, je dis, le président va tomber. Parce que ce pouvoir politique, il parle en main encore. Et je pensais que. C'est ça qui a privé en dehors de tout. Pas un problème à vous dire. Mais le pouvoir politique chappé. Il délocalisé. Mais c'est délocalisé. Le pouvoir politique délocalisé. Vous dites à partir de 2011. Oui. Et là, évidemment, on a parlé d'un système à l'intérieur d'un espace. Ok. Ça que nous dit là, et qui n'est pas nécessairement en contradiction, peut-être qu'il y a des nuances, pas en contradiction avec ça que nous dit. Mais ça que nous dit, qu'on y a là, ça que nous vivons là, il y a un déclic qui fait en 2004. Déclic qui fait en 2004 là, c'est que il y a une série d'opérateurs économiques. C'est eux-mêmes, alors que longtemps, c'était de manière, c'est dans l'obscurité. Ils ont agi dans l'espace politique là. Ils ont dit qu'on passait le pot d'air. Voilà. Quand on a parlé. À partir de 2004, ils ont affirmé, côté que, et d'ailleurs, le type qui était, le monsieur qui était sénateur de la République, M. Abdil, à qui veut l'entendre, qu'on a été le chercher en République dominicaine pour cette affaire de coup d'État contre Aristide en 2004. Donc, ce sont des gens qui ont investi très clairement. Tout le monde connaît qu'ils ont été chercher Guy Philippe et le coup d'État a été réalisé. Et le ça. Oh, Guy Philippe a pris le sénateur. Moi, je m'en de qui sénateur c'est. Il a été élu. Il a été élu, mais il n'a pas été ratifié. Donc, monsieur, très clairement, Abdil, à qui veut l'entendre, on a été le chercher. Maintenant, en 2004, ça que m'a dit, et différence que m'a pété sous question ça là, c'est que, on gagne une série d'opérateurs économiques qui, eux-mêmes, ils ont décidé du sort de la nouvelle gouvernance à partir de 2004. En 2011, comme ils ont pris goût à l'affaire, et c'est ça que fait, d'attendez, y ont politique qui t'a parlé, qui dit que ça a été la transition des franchises. Et de fait, lorsqu'on a été regardé au niveau de la Banque mondiale, chiffre que vous montrez, ça a été une orgie de franchise qui fait à partir de 2004. Donc c'est eux-mêmes qui ont exigé ça.
mais il était exigé toujours à partir de personnes interposées. Même le tout le monde te connaît que c'est eux-mêmes qui étaient actifs sur le terrain, c'est à travers des personnes interposées. En 2011, investissement qui fait pour mettre M. Matéli sous pouvoir là, ça c'est un investissement qui fait très clairement, c'est des millions de dollars. Et plus millions de dollars, Vin Fessieux, ça va te jouer un rôle actif. Dans mais l'investissement ça, c'est dans le deuxième tour là, Yofem? Dans le premier tour là, de premier tour là, pour Jovenel le Moïse. Le premier tour n'est pas tout candidat important. Pour Jovenel Moïse, non, je parle de... Non, je parle de Jovenel Moïse. 2010-2011. Non, c'était, oui. Élection 2010-2011. C'est le deuxième tour. Au deuxième tour. Mais là, pour Jovenel Moïse, dès le premier tour, c'est le candidat de un groupe... Et, le chouchou. Ah oui, c'est un groupe d'opérateurs économiques. Mais là, ça que m'a dit... Mais elle dit ça, elle dit, petit, tu as dit ça dans le Caribe, hein? Non, c'est même eux-mêmes, non? Oui, elle dit, c'est petit ouais. Système, mais là, voici la nuance que je lui mettais sous question de... En équité internationale, là, juste pour clarifier la simplicité de l'analyse. M'a dit que en 2015, avec l'arrivée de M. Jovenel Moïse au pouvoir, il n'a pas été passé par personne interposée pour question de franchise, etc. C'est eux-mêmes qui mettaient ministre des Finances. C'est eux-mêmes qui mettaient directeur de la douane. C'est eux-mêmes qui mettaient directeur de la PN. Ça veut dire que même Moun Saint-Suzanne, côté Miel, là, non, reculé, connaît qui Moun qui met douane. Donc, il connaît son homme d'affaires qui met la douane. Il connaît son homme d'affaires qui met APN. Tout le monde connaît qui est-ce qui mettait ministre de l'économie et des finances là. Donc, là. Bon, l'autre rôle politique. Ça a son tour, non? C'est très bien de le dire. C'est très bien de le dire. Ça, Fridia. Mais il faut le caractériser. Ça, c'est. L'analyse système, non? Soit véritable mafia. Là, vous êtes en présence de mafiosi. C'est-à-dire d'un petit groupe. Hein? Qui, avec l'argent, qui rentre dans l'État. Pas porte à côté. C'est-à-dire, vous finissez de mettre les gens par eux comme président, vous mettez les gens par eux comme député, sénateur, en certains endroits, etc. Et qu'on y a ça, aux possibilités pour vous mettre ministre, pour vous mettre directeur. Hein? Si vous avez décidé que est-ce qu'il y a payé la douane ou pas, la, donc, il n'y a pas payé pour qu'on ait de passer sous frontière. Et ensuite, dans l'argent. D'après ça, m'a des employés, l'autre m'a dit aux citoyens, je ne pas connaître, mais il dit il fait 38 ans dans l'État, hein, il cite nos mondes, que qui, je dis, l'argent rentré dans la caisse là, la caisse la douane, c'est lui-même décidé qui quantité qui pourra aller dans la caisse l'État, qui pourra aller dans la trésor public là, et qui ça, qui homme d'affaires jouer, là, qui homme d'affaires là qui décide. Oui, c'est homme d'affaires là, en question, hein, disons, et Mdagadir, en tant que chef mafia, il décide qui s'accroît dans caisse l'État. D'accord? C'est le ministre d'habiter, M. Ben, c'est le fait qu'on dit à côté, hein, la porte d'à côté. Non, c'est pas la porte d'à côté, c'est pas la grande porte. C'est la grande porte. Non, l'homme de la porte d'à côté, ça veut dire. Il fait ouvrir gros barrière sous chef mafia. Oui, l'homme de la porte d'à côté, il n'est pas. C'est pas mon qui. Et régulièrement élu. Ah, okay. C'est ça me l'a dit. Okay. D'accord? Non, ça, mais Mounsa, il n'est pas ni ministre. Ni nommé ni élu. Il n'est pas ni sénateur. Et pourtant, c'est une bête question. Oui. D'accord? Mais, donc, c'est les gars. Mais c'est pas la influence de l'État. D'après ça, me donne pas seulement ça. Parce que en même temps, ça, ou disant 2011, où il y a acté comportement ça, mais il y a un discours qui a pas accompagné depuis longtemps. Baron, si nous songeons ça, depuis quelques temps, il dit qu'on n'a pas pris le soutien, on a quoi nous-mêmes qu'après pouvoir. Par contre, ça t'a parlé depuis quelques temps. Mais t'es gamin qui dépensait, c'est dans, il t'a pris comme candidat. Oui. Mais, il vient de la réalité ça. Mais en même temps, il y a l'autre démarche qui fait tout. C'est pas seulement contrôle pour pas payer, pour faire contrebande pour marchandises passées, mais il y a des marchandises. Yo interdit l'autre et dans douane l'arrivement yo pose une question comment faire à importer tel produit est-ce que pas qu'on est produit ça li gen mettre gen monopole le monopole le fait m'ta aimé rebondir sous même aspect pouvoir politique là parce que même en 2015 chez Biden osé moun ki pou président faut rappeler que c'est quelqu'un investi yo imposé ça mais des pays là s'il passe un temps ils comparer mais eux ils n'ont pas cette capacité de nous payer.
Moyen, l'Union internationale là, livre le contrôle pays. Comment vous le gagnez? Faut le gagner directement par rapport au chef. Et le choix du chef, c'est pas fondamental pour eux. Et même les franchises dont tu parles, ben c'est pas les apprennent, ils apprennent contrairement à ça, avec des réseaux locaux que dégage dans l'économie. Hein. Même du point de vue politique, choisis monsieur qui était premier ministre, comment il s'appelait déjà? Et en 2004, et la tortue. Mais c'est pas choix mon ici. C'est une politique, décision de nous mettre mon et action. C'est parce que comment remplacer le président qui fait mais, la oui, mais on a dit que bon, secteur des affaires là, c'est lui-même qui est. Ah non, non, sans négliger le rôle de l'international. Mm-hmm. Mais on dit que il a manœuvré politiquement. Ah, oui, directement. Non, regardons. Non, les trois derniers premiers ministres, ça passé. Comment ça s'est passé au Parlement? Et d'ailleurs, et 100 000 dollars. Bien sûr, l'un des sénateurs l'a dit clairement. Il y a des opérateurs économiques qui paraissent, qui baillent 100 000 dollars, 100 000 dollars. Par tête de sénateur. C'est-à-dire que c'est comme si vous gagnez une série de contraintes. Et puis, on a mis toutes contraintes ensemble pour nous vendre qui côté solution faisable à y. D'accord. Vous gagnez une contrainte de l'international. Mais bien sûr, vous gagnez une contrainte. Ou bien les actions des opérateurs locaux, et puis c'est eux-mêmes qui ont le résultat que même moi, je viens insister sur la question que choix non, mais président, c'est ça que je veux dire. Yo, pas ben, cette gestion administrative qu'on parle là, effectivement, il y a oui. La question des bénéfices qu'il faut prendre, comment récupérer tout ça, faire l'argent, pas faire l'argent, oui. Mais maintenant, l'on va bien lui paraître là qu'on y a là. C'est justement international à réaliser que le pas de contrôle ça. Oui, c'est lui qui a installé là. Parce que, en fait, Mme Laline, pour moi, je dis, son premier ministre, oui. Oui, mais Ted. C'est le premier ministre de gouvernement Mounio, il est. Oui, mais Ted, l'attitude, que... il y a là, pour tout ministère, il y a conseiller, il y a des gens qui sont disant, ah, des Mounio gérés. Mais ce sont des ministres qui vont nommer. C'est, ou pas, il y a des ministres de l'international, avec un premier ministre international qui l'a installé. C'est ça, l'installation d'un pouvoir politique externe complètement à l'intérieur du pays qui a fait là. Ça veut dire que le président, pas qu'à nommer, le président n'est pas personne là, Kounia, qui a nommé, et ces difficultés, ça, il y a. Mais Ted, là, est-ce que vous ne confondez pas? Parce que deux périodes, deux époques. Mmh. Parce que si 2010-2011, c'était directement international, là, est-ce que nous avons dit c'est exactement le même scénario en 2015 pour Jovenel Moïse. En 2015, nous connaissons les résultats. C'est connu que les résultats électoraux qui baillent au premier tour qui fait M. Jovenel président, il n'y a pas de résultat définitif. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'on a imposé à M. Oui, Il va faire le même genre avec le chef régime, non? Oui, mais parce que peut-être le président intérimaire était plus flexible et la situation permettait, après deux ans d'élection qui va jamais aboutir, que le passé plus douce. Mais on est certain que les résultats qui ont donné M. Jovenel Moïse président, au premier tour, c'est dans les résultats définitifs. Et les résultats disaient qu'on devait aller au deuxième tour.
mais ils ont décidé que ça allait finir maintenant. Et ce qu'ils ont fait. Oui, est-ce que World International a été aussi net dans la nomination, monsieur? Aussi net. Que dans la nomination et aussi net, c'est la même continuité. Et aujourd'hui encore, la difficulté. Parce que la grande difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que mon opposition, monsieur opposition organisé là, il y a l'ombre avec les coups de cassation pour aller chercher un monde. C'est l'unique base légale que l'international a gagné pour ta retourner la donne. Mais j'ai refusé. Parce que c'est pas eux-mêmes qui choisissent. Ils n'ont pas accepté que la question du pouvoir d'État, un chef d'État, c'est pas eux Balil. Et que reconnaissant, que le monde soit reconnaissant envers lui, même fondamentalement. Et pour sa sécurité, parce que le monde local n'a pas capable de président de la sécurité, non? Il n'est pas capable. Pour la sécurité, c'est l'international qui a la sécurité. La preuve. Il va compagnie étrangère. La famille et en même temps, la main de Mounio vient d'elle distribuer, manger. Mais pour compagnie étrangère de sécurité, oui, là, déjà. Mais absolument. Tout ça veut dire qu'il faut faire attention. Moi-même, je voulais détacher le pouvoir politique. In fine, qui est le président de la République, le chef de l'État, ne répond que d'une seule. Et entité en termes de sa sécurité, de sa survie, de sa permanence au pouvoir. Et c'est ça avec les Catherine qui a toute blague là, la raconter mon histoire fine et système par système. Parce que Washington balague. Parce que justement, il connaît qu'il a un appui et cet appui, c'est pas un appui local que lié. Et ce pouvoir économique qu'il y a là, son pouvoir qui n'a pas qu'à supporter ton président tomber ou pas tomber. Pour le moment, ils ont été dépouillés de ce pouvoir-là. Oui, mais qui rapport pouvoir économique local, la gagne à l'international, ça? Ah, même qu'il y a là. Ne pouvons pas maintenant envoyer de l'argent en Haïti. Il n'y a pas de moyen, ça. Il n'y a pas même de moyen pour soutenir économiquement le pouvoir. Là. Qui est-ce? International, là. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de gagner. Il n'y a pas disposé à faire ça. Il n'y a pas de Il n'y a pas disposé à faire ça. Par contre, il n'y a pas de non. Il n'y a pas disposé à faire ça. Parce qu'il y a tout problème pour vous résoudre. Parce que la situation politique, quoi, vivre là, vivre tout la caillou. Il ne faut pas oublier que M. Trump, la même situation aujourd'hui, hein, de cette confusion qu'il y a, il faut gérer avec ce qu'on a. Et Mounicio, je veux la liberté et l'espace nécessaire pour faire toute cette affaire-là, et comme si on parle auréolé, comme si on kembe président. Non, le président ne répond pas d'eux. Moi-même, je suis certain de ça. Et c'est vrai que les gens groupes... Tu permets. Non, j'arrive. Dans les mains, tout ça qu'on dit là, et qui vrai... Le système n'en a pas l'air. Même parce que... Non, et c'est avec le système. Nous n'avons plus un État souverain. C'est de ça qu'il est question. Alors, à chaque moment, le mal s'aggrave. Hein? Chaque jour passé, ça va de mal en pire. Hein? Gonjan, il est exprimé époque privée, etc. Ou l'autre, j'ai l'exprimé qu'on y a. D'accord? Donc, c'est un mal qui va approfondir. Donc, son élément. Et du pourrissement du système global. Hein? C'est dans la dimension relation externe là. D'accord? Donc, moi-même, je pense que comme haïtien, comme patriote haïtien, parce qu'on y a des haïtiens et haïtiens, comme patriote haïtien, je pense que son bagage pour nous gommer contre lui. Maintenant, pour nous voter, par quel bout? Pas quel bout commencer. D'accord? Okay. Fito, très bien. Mais parce que pour même 2011, dans son tournant. Son tournant extrêmement important. Et si vous voulez, son tournant qui est accentué par rapport à ce qui s'est passé en 2004. Les gens ont pris goût par rapport à la mise en place de cette gouvernance en 2004. Mais là, pour faire la part de choses, si j'ai peut-être mis accent sur la question internationale. Là, c'est comme si l'international. Pas de gagner la même mise sur le régime des Duvaliers. Oui. Donc, international était toujours présent. Mais qu'on y a là, c'est ces formes de relations hein, qui peut être accentuées avec évolution, ça que nous gagnons dans la dynamique interne des relations entre ça, l'exécutif là et le reste de la société. Et c'est ça qui fait que peut-être que l'accent que tu as admetté, hein, c'est justement une relation qui a changé dans la dynamique interne entre différents groupes sociaux qui fait international là, obligé à prendre des positions. Et plus ou moins ouverte. Mais international était toujours présent dans la mise en place de la gouvernance en Haïti. C'est pas comme si son bagage nouveau qui a fait qu'on y a là. La pas international là, pas essentiellement des États-Unis. États-Unis. Mais même tout le monde, définition politique géostratégique. C'est ça. Avec Trump. Voilà. On ne peut pas dire que pour François, mettez Jean-Claude. Il négocie ça avec quoi? Il négocie. Les François mourir, pas oublier que il y a un bateau américain qui n'en rade là, n'est-ce pas?
préparé pour débarquer dans le cas où opposant à son Alexei veut venir, il était pensé que mon absolu Cuba vient descendre, vient faire guérir ici tout le monde comme ça. Donc Le pour 86, le pour Jean-Claude Allé. Oui, c'est ça. On peut continuer. Oui, bien sûr, ça dit, les exemples ne manquent pas. Ne manquent pas. Donc, d'accord. D'accord, c'est et, un accord entre la France avec les États-Unis. Voilà. Oui, oui. À chaque moment, elle apprend. Je prends des formes. Ça prend des formes différentes. Le pouvoir politique retient en main. Il ne pas permettre à une société à développer cette capacité. Parce que il y a une difficulté. Elle pose des problèmes que l'État faut changer. Mais puis, il y a des difficultés. Et même, président, c'est honnête. Ça vous t'a dit, nous, vraiment. C'est pour t'a dit que le système dont je parle, et que moi-même, je dis que faut pas changer, je d'accord, pas bon, il y a un problème, il y a un bois. C'est pas moi qui mets lui. Nous sommes fonctionnaires. Et c'est ben mon job, dans le job, ça m'y a. Et je dis même si je vais aller de mon propre chef, Macafel. Non. Donc, vous avez une double habitude. Oui, c'est ça, vous avez une double habitude par rapport à grâce des affaires. Ah, c'est accent ça. Mais il y a un problème de double habitude. C'est double habitude. D'autant plus que ces affaires sont là aussi. Il doit au moins les protéger. C'est ça. Non, il n'y a pas de problème. Il doit au moins les protéger. Mais Fritz, comment ça. Non, c'est parce que c'est accent ça qu'on va l'été. Il y a une double habitude là. D'accord. J'en veux dans tout. Ah, oui, voilà. Non, pas de doute ça. Mais je vais te dire. Encore plus. On clarifie les choses. Non, mais ça crée une double servitude là, que le problème qui vient, il faut nous reconnaître tout pendant une période ça. On gagne une apparition d'un mouvement hégémonique de une, deux, trois groupes. C'est pas tout l'ensemble du secteur économique qu'on parle là qui domine Jean, comme ça les a fait paraître là. On hégémonie fait. On gagne des groupes qui paraissent qui particulièrement. Comme si dominaient tout le reste. Ah non, mais on ne dit pas que nos secteurs privés homogènes. D'accord. Non, c'est là la grande difficulté parce que servitude ça, vivre une servitude qui m'a dit ça là et qui est identifiable et qui comme si qui visible comme automatiquement ouais. Donc oligarchie. Oui, c'est oligarchie. Et puis concentré que ça. Puis concentré que ça. Très bien. Donc oui, mais c'est oligarchie clé parce que c'est une minorité, n'est-ce pas, qui prend qui concentré. Oui. Très bien, justement. Quelques grandes fortunes. Oui. Fito. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette double servitude. Oui, mais cette servitude qui bague, c'est par rapport à faire ici. Non, exact. Et nous arrivons pour nous comprendre ça qui a passé par ici. Et justement, le par exemple, on a pas d'échanger le système. Non? Si c'est vrai, la tête, tu as raison. Et espace politique, là, il y a un acteur extrêmement important qui a défini une série de relations là-dedans. Mais ce que nous avons demandé là, c'est cette concentration, cette centralisation. Ce pouvoir de déterminer qui va être riche, qui va être pauvre, qui lui-même qui est en dynamique nationale, pour moi-même, c'est ça mon y a pas dressé. Comment se fait-il que ou en non-société, ou pas foutu faire, il y a des gens qui gagnent des mots d'autre pôle sous produit X, sous produit Y, et ou gagne un jeune garçon, jeune femme qui l'a, qui gagne toute capacité, et j'en tête ce deal là, c'est quatre opérations qu'on a besoin pour faire pour entrer dans le business. Et puis jeune garçon. Mais ça, puis belle là, elle pas être dans la douane, non. C'est pas moun ça ou dit qui gagne la douane, non, mais qui dit qu'il n'y a pas de droit pour faire commerce dans le secteur ça. C'est parce que. Président l'a joué démagogie à fond, l'a parlé de ces petits peuples, sont dans un trait peuples, nèg noir, tête graine. C'est un nèg noir, tête graine, même Jean Avel qui campait devant qui dit ça, et qui fait partie du système l'État. Et président n'a pas parlé de système ça. Oui, mais nèg ça qui est en service. Mais je pour nous voir ça, wall, système l'État, administration publique l'a joué pour créer le système ça. C'est clair. La corruption et servitude par rapport à secteur économique. C'est très clair. Et c'est ça qui fait que Lily, moi je pensais que c'est ça qu'on a dit dans le livre là, où il y a trois groupes d'acteurs qui sont extrêmement importants. Où il y a un secteur traditionnel, le secteur privé, hein, secteur traditionnel des affaires là. Où il y a un groupe qui n'a mi-temps que nous carrément les grands commis de l'État qui utilisaient et pouvoir, capacité que gagne dans le fonctionnement de l'administration, puis il y a imposé des restrictions à un sérieux de monde de la société pour gagner l'émergence des entrepreneurs politiciens qui viennent jouer un rôle extrêmement important dans le système ça que nous avons parlé. Mais qui a qualifié? Parce que le président a qualifié, il parle de gardien système, de héritier système, de bénéficiaire de système et victime de système. Entrepreneurs politiciens, pour moi-même, et Jacques me caractérise, c'est des anciennes victimes, anciennes victimes du système qui a regardé ça qui a passé dans le système. Non, particulièrement qui prend exemple pour moi-même
évidemment, dans tête pam exemple historique qui prend ces questions de grand mangeur qui paraît sur Aristide là. Yo gardé ça secteur traditionnel l'a fait des acteurs de la classe moyenne qui a pécé entrer dans série de business côté que yo étouffé business moun sa voilà, moun obligé dans l'exil, ça cal dans prison etc. Ils ont tiré des leçons de cette affaire de 1994-1995. Mm-hmm. Moun qui a dit ça, il a dit nous avons grandi. Mm-hmm. ils ont tiré des leçons. Donc, entrepreneurs politiciens, qu'on y a là, c'est des acteurs qui ont fait exactement même ça, des mouns qui ont pris les grands mangeurs en 94-95 là, mais qui ont même ça que fait, ils ont aguerri ça que fait, ils ont assuré avec un capital primitif que fait, par contre, n'importe comment. Et là, ils ont entré dans l'État pour protéger le capital primitif qui a accumulé. Ils viennent presque en face d'une série d'acteurs dans le secteur traditionnel. Là. C'est ça que nous avons comme jeu là. Mais généralement, qui est-ce que l'élite traditionnelle là, tout fait? Bon, lui-même, il a fait quoi? Et puis, il prend un monde qui est dans le classement. Vous comprenez? Ça, ou qu'un député, son sénateur, son ministre, il peut observer l'intérêt. D'accord? C'est-à-dire que, ça dit comme domestique. C'est de ça qu'est la question. Mm-hmm. Donc, quand on dit, moi, les gens, les rivières la douane, et que sont, on tient des coups, et non, qui crampent et qui dit, de quel droit, etc. D'accord? Son barème, d'accord, ils sont pratiques. Ou pratiques traditionnelles, etc. Pour alimenter ça, on peut le dire. N'oublie pas les 23 produits. Non, c'est exactement. Attendez. Ouais, affaire entrepreneur. Finir, entrepreneur politique, on parle. Mais ils ont appris, Jean, il y a un dire que, ok, ils ont appris, bah, ça. Mais ils ont fait exactement. C'est comme si le processus monde qui jodi, qui en face, qui gagne déjà. Mais c'est même processus là, à l'inverse. C'est comme si on recommençait à autant zéro de monde, ça y est. Parce que de toute façon, c'est en relation avec l'État que les richesses se construisent en Haïti. Oui. Et puis, objectif, c'est même monde, ça y est. Oui, c'est le même chemin. Mm-hmm. Ça veut dire que 11 siècles après, ou bien 50 ans après, ils ont repris le même chemin de Damas. Et d'État. À travers l'histoire, c'est ça. Appareil d'État, les bombes qui neutre, les servis. Intérêt, groupe dominant. C'est choix de papa. C'est ça. Tout le monde voulait pour faire un coup souris. Oui. Mais au détriment de la majorité. D'autant plus qu'on n'a pas qu'être contentieux historique qui par exemple résoudre. Il y a mieux estime au disait des victimes de système. Il y a une enhardi. Non, il y a payé. Il y a dit de qui prévient. Il y a payé l'idée. Depuis deux siècles, même les temps pas me griver. C'est bien ça. Oui. Il est dans le langage, il y a un caractère coloristique que le prend. Parti sorti là, il vient tomber sous ça, il vient tomber de la classe, il tombe là-dedans et gon parole comme ça. Et puis son revanche. Et vous ça l'air des monde ne dit pas gagner d'idéologie quand ça va passer à charge à idéologie quand ça va passer à oui. Attention. Charge à idéologie. Nous venons faire pour les partis émission. Olapalais.com. Dil pou ou bwode, bam 37,900 dola, ou fon jounou tibis papa dap Nissan, model 2019, tout neuf, tout de suite. Y'a pas bel tibis Nissan climatisé, hein? Bon bwode, ma bon lot gabel, dégageons joun, 74,900 dola, ma bon gros ou gros tonton bis Nissan, kounya même. Mais oui, parce qu'on aime besoin rentrer dans business bis la, ou bien prendre sous fil. Eh ben bwode, m'bral metton dans business bis la, ak Nissan, pi bon. Eh oui, la Universal Motors, dans son engagement de contribuer à la modernisation du transport en commun en Haïti, offre ses bus Urvan Papadap modèle 2019, climatisé 15 places à 37,900 dollars. Le gros bus Nissan Civilian 30 places climatisé, le tout dernier modèle, à 74,900 dollars. Toute taxe, tout la donne. Les bus Nissan sont garantis 3 ans ou 50 000 km, financement disponible, service après-vente garanti. Fais vite! Spécial bus Nissan a fini 31 mai. Pour plus d'informations, appelez la Universal Motors au 2814 3434. Ah, bon, où est Nissan yo? Où est belle chose ou non? Pas de mentir ça, non? Est-ce qu'on connaît ça Eurocéram? Bon, m'explique au frère. Eurocéram, c'est plus gros vendeur céramique dans le pays depuis plus de 20 ans.
Il y a un stock plus passé 1000 couleurs céramiques, tout le gros, tout l'argent ou besoin. Ça veut dire chaque monde a besoin ni couleur, ni grosse céramique, au pire et meilleur. Quant à vos qualités, c'est dans ça Eurocéram Pifor même. Depuis Manu choisi, on met qu'on est ses qualités liées. Nous avons un personnel qualifié qui a à disposition tout le monde pour nous faire bon choix. Appareil sanitaire même, c'est la caille nous s'achita. Nous avons tout modèle. L'orille sous comptoir cuisine nous-mêmes, on joue granit tout est fléa, à prix ou des vlés. Si bon souvent dit, pour du coup céramique avec sanitaire, net ak pot, wap jounou la, Eurocéram, pensi a tout moun et a tout détail. Ou wè frèm, se pou tout raison sa ou ki fè, mwen chwazi Eurocéram. Chwa pam, se Eurocéram. Chwa pam, Eurocéram. J'ai chwazi Eurocéram. Eurocéram, tout simplement la qualité. Eurocéram, trois adresses pour vous servir. 173 route de Delma, entre Delma 17 et 19. Pétionville, angle des Winérettes et Panaméricaines, complexe Evergreen, deuxième étage. 9 rue Lysius Salomon, Port-au-Prince. Téléphone 2813 01 55. Pas dit ça va changer rien. Pas arrêter bouche bée dans la pérèse à plaindre seulement pour impunité, corruption, crime et latrine. Leur victime mauvais acte. Femme ou garçon, portez plainte dans la police pour la justice qui a fait jugement. Quel que soit mon nom, il passe sous tête la loi. Yon moun qui victime, li ka besoin témoin. Si ou témoin ou zak, sa gade ou tout. Pape bay témoignage ou pour dire qui l'est, qui bo, qui jan sa te passé. C'est pas plaigné, c'est porter plainte. Dénoncé bay PNH, témoigner c'est responsabilité ou, c'est devoir. Pour un débat en profondeur où la langue de bois est bannie d'avance, suivez l'émission Intérêt public. Intérêt public, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Liliane. Le saviez-vous? Tous les sujets sont d'intérêt public. L'émission Intérêt public, diffusée le dimanche à 8h AM, reprise le mercredi à la même heure, et le jeudi à 8h PM, est patronné par Nissan Frontières. Émission Intérêt public joint appui e-power. Olapalais.com. Merci d'être choisi Radio Kiskeya pour informer pour débattre toute qualité d'idées avec nous. Je fais ça chaque semaine dans émission Intérêt public. Je salue tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com. Quel que l'on soit à côté, oui, tout ça et tout qui a recevoir sous plateforme intelligent. Je salue tout radio partenaire qui a retransmettre émission ça. Dans Grand Sud, nous on a souffri en pile côté contact yo très difficile entre capitale là ak reste paysan et sous route nationale numéro 2 a, c'est pas deux problèmes nous connaît qui gagne. M'a salue tout auditeur qui a recevoir sous Platinum FM avec Meli dans Grand Sud. Et puis dans Grand Nord, gè problème tout, n'a salue tout auditeur radio dans Grand Nord et dans centre c'est radio tête à tête. Kounye la, Harold ak Ousmine pral di nou, comment quelque l'on soit côté nous yé sous planète nan, nous a toujours été connecté ak pays d'Haïti grâce ak partenariat Radio Kiskeya gen ak Radio Zeno. Suivez Kiskeya sous Audio Now aux États-Unis sous 712-432-78-85. Au Canada sous 438-795-42-90. En France, dans 01 80 14 14 71. Suivez Kiskeya sur Ojonao en Dominicanie, dans 849 936 71 34. Dans pays Mexique, dans 899 274 66 67. Dans pays Brésil, sur 55 02 14 04 21 481. Kiskeya, bon ça. Ce son de crapé, pom pom pom. En arrière, on chante. Pousse, pousse, alors on avance. Alors on avance. Digicel,
Tissel ak Audio Now menen yon servis tout neuf pou pèmèt ou tande Kiskeya nenpòt ki bò an Ayiti sou telefòn. Fè 7630 pou koute Kiskeya nenpòt ki bò nan peyi a. Abonè Digicel yo, fè 7630. Abonè lòt kompani yo, fè 2815-7630 pou koute Kiskeya nenpòt ki bò nan peyi a. Tèm ak kondisyon aplikab. Palais.com. Toi invité jeudi à côté n'a décodé et Mosa qui vient très populaire système et qui vient prendre une ampleur à conférence pour la presse Jovenel Moïse en tant que président saute bail là 15 octobre qui se passait là côté il fait connaître ce système non système par la prise plus deux hommes d'affaires c'est eux même qui empêchaient pays à marcher donc toi invité pour tenter yon analyse en profondeur et qui gens pour nous décortiquer et qui gens tout pour nous sortir la donne parce que c'est de ça qu'il s'agit. Abdi il dit que ce système pesé sous c'est comme ça relé qui fait que les gens pas capable petite l'école, il pas pas gain travail et il plein problème et il besoin pour système n'en changer. Toi invité professeur Victor Benoît qui t'a inspiré émission ça. Et nous gagnons économiste Fritz Jean et puis avec Ted Syndic nous allons continuer deuxième partie émission. Maintenant prenons extrait dans conférence pour la presse côté Jovenel Moïse justement t'as parlé de système qui empêchait l'environnement. Monsieur Panou, j'aime te toujours dire, pas qu'à gagner chasse aux sorcières, pas qu'à gagner pour une violence politique, pas violence politique. Seul gens, seul côté que nous allons aller aujourd'hui, c'est dans nous tout, ça dit la presse, qui est le rôle de venir pour nous chita ensemble, pour nous mettre tout ça, pour nous mettre sous table là, qui nous permet de nous jouer une vraie solution. Une solution, il peut que fait l'humanité, tout le monde connaît ce système. Son système qui vient gardien, qui vient héritier, et qui vient victime. Mais nous pas qu'à quitter ce système ça, chaque temps, pour des capacités pour les régénérer les têtes. Moi, je dis, peuple, ça avec lui, je dis, on vient parler. Je vais vous dire, pour un petit temps de comprendre, ça qui est passé en 1986, c'est lui qui est dans la rue. Ça qui est passé en 2004, c'est lui qui est dans la rue. Mais qui ça le bénéficiait de la réalité de la donne en 86 là? Qui ça le bénéficiait de la réalité de la donne en 2004 là? Et je dis encore, c'est lui qui est dans la rue. Mais sauf que, en 86, c'est pas notre président. En 2004, c'est pas notre président. Je dis, c'est notre président. C'est pour ça que je dis que je dis, nous pas qu'à confrontation. Je dis à nous pas qu'à craser briser. Je dis à nous pas qu'à rire. Je dis à nous canons mettre tête ensemble pour c'est pas diaboliser un monde ou bien diaboliser un groupe par rapport à un autre. Peut-être là, nous croyons dans la maturité. Nous croyons dans la capacité nous je dis à pour nous comprendre que système ça, c'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire d'une équipe de monde qui choisit, qui dit que chaque système n'arrive pour le mourir, le dit en régénéré. Question qu'on se pose moi-même mais l'empile. Mais ma dieu, système ça, qui ça le produit? On garde une inégalité. Un système côté, il y a des gens qui pètent l'argent là-dedans à 60% là, il y a l'autre qui pète à 3% là. Pas même système là. Ça veut dire victime prête à 60%, les héritiers du système et les gardiens, ils prêtent à 3%. Même système ça, système n'est toujours, qui lui-même, qui gagne patron avec ouvrier. Ça veut dire, ou même peuple là, malheureux. Nous, quand on sort dans la cible, qui met 6%, et l'autre, pas prendre 6%, et puis dans quoi ça, sorti groupe nous, qui décide, là, dans nous, c'est le citoyen qui est 30%. Comme bah dit 31%, là, nous en amène pour contre lui. Et puis, à qui t'es d'intérêt? 3%. Voilà. Et puis, ou même, qui a empêché de s'en descendre dans ma chère quoi de ça, aujourd'hui, et pour prendre là, ou même, à 10% par mois. Le moi-même, une vraie décision. En décembre 2018, nous venons avec crédit à tes plates là, à 1% par mois. Nous ne connaissons pas si nous avons toute l'argent ça, dans une zone ça nous nous te mettons. Nous prenons décision en avril, nous dit que nous avons 20 000 petits marchands pour bailler crédit à 25 000 gouttes à 1%. Jusqu'à présent, pour nous 10 000 qui jouent. Nous comprenons ça, ça veut dire 31% dans la plateforme de 8 milliards de gouttes. Il y a plus que 2 milliards de gouttes. Ça veut dire si nous prenons l'argent ça, nous divisons à 25 000 gouttes petits marchands, nous avons 16 000 personnes qui nous décapitent. Et pourtant, nous avons un qui veut dire. Mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est que presse la devant nous là. Peuple la capte de nous. Mais ça je veux dire. Et c'est lui qui m'a attaqué. Et c'est lui qui va tout être chargé. C'est pour ça que nous avons crédit à peuple là. En décembre 2018, peuple une critique comme moi. La palais national. Moi, je vois un gros gardien système. Comme ça, je te dis, on va pas la pour nous donner nos personnes. Président, il est dangereux sur la terre. L'homme dit qu'il est dangereux comme ça. Parce que, on sortit de nous mettre
un crédit à 1%. Un système crédit qui est établi déjà, qui a 170 000 clients la donne, que les gens sont à l'aise, le prêt à 5% par mal. Et un système crédit, ça a 16 000 personnes qui ont crédit dans la Tibonite, dans l'agriculture, le prêt à 5% par mois et au pays. Je ne parle pas de la même chose. Je dis que je vais mettre le système crédit 1% envers et contre tous. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais c'est pour me répondre aux journalistes pour me dire que je ne crois pas que je veux dire. Ce n'est pas lâchement le coup de vous aller qui a arrangé ça. C'est mon chita balé. Chaque, et même bien content, ouais, que chaque monde, je veux dire, nous commençons à faire commission par eux. C'est pour ça moi-même, tout mettre un comité qui peut venir dans le dialogue là. Je ne pas mettre un comité de médiation, non, comité ça, là, venir. Même dans l'autre comité, il y a plusieurs comités qui forment. Il y a tout pour venir chita ensemble. Même dans le passé, dans l'Équateur là. Il y a même pas deux semaines, non, pour indigène venir chita avec le président. Depuis moi, le président m'a demandé chita jusqu'à présent. Ça vient deux ans, 8 mois. De m'en arriver, pour cela, vous n'allez. Il faut pas même gagner un boulot là. Fon bon ti bout Dimitri, attendez qu'il ton tiye espace pour lui. Bon, n'a pas bon dit là sous excellent. Et toi t'as fléchi mémoire, non? Bon dit rapidement sur ça. Seul bah, m'a dit son discours système. Discours ça. C'est exactement discours système. Parce que c'est un discours qui gagne pas. Et qui en même temps pral créer une société à des bagailles, il pral jouer sur des bagailles qui pas fondamental. On dit, un bagaille simple. On prend un aspect qui est 25 000 goudes. Il parle faire crédit 25 000 goudes, crédit à tes plates. Bon, enfin, si vous voulez promotion dans le pays, vous voulez constituer une classe d'affaires ou bien des gens qui ont moyen la main pour faire investissement. Si vous regroupez, volume comme ça, qui est 25 000 là, ou vous regroupez libre un milliard de goudes et puis une équipe qui nous fait des, ou fait venir des entrepreneurs effectivement, ou fait venir des détenteurs de capital, en dans un montage, qu'on fait, mais by 25 000 goudes, n'est-ce pas, moi j'ai pistache avec après deux mois, après un mois, mais écoute, gain un sens de réalité, à ce que pas démagogique, ni malhonnête, c'est ram non bah qu'il est 25 000 gouttes. Et là mon peut-être mon cal dit monsieur que ce à 1% crasse le système là, li ka dit deux bagages tout, li ka dit monsieur a gaspillé l'argent parce que ça va ban qu'un résultat sur une vue sociale, mais 1% tout, mais tout comme si m'ta comprendre que investissement répond à des normes. Ça veut dire que le taux d'intérêt c'est pas bah qu'on moun retour le vent matin ou fixer tel taux d'intérêt. Si on jeu doit faire de demande gon bonne bagage dans pays, on capable prendre décision ça yo, mais sous base une base rationnelle. C'est pas parce qu'on voulait faire 1% on l'a fait pas bail du tout. À intérieur on l'a fait cadeau le tout. C'est pas un problème ça. C'était en décembre, c'était cadeau. Oui, on l'a fait cadeau le tout. Mais si les comme ça est tombé, on s'appelle les comme ça arrivé, la dit goubaye qui tombé. On retourne sur. Parce que dit on retourne sur essentiellement sous bagage gardien système et tout bagage ça. Et président dit que mais pour système nan al comme si éclaté pour ne voir moyen pour changer ça là. Mais si président réaliser que lui-même il s'est verrou aujourd'hui si mon identifier que c'est au verrou c'est au bloqué c'est qui me sauve les aider mais participer dans la lutte là avec eux moi pas obligé le président pour poser problème là si problème me poser aujourd'hui c'est départ président que a demandé moi nous sont citoyens conscients de difficultés guerre permettre nous comprendre difficulté à mieux mais ouvrir brèche là permettre nous entrer dans le système non mais pas bloquer nous même pour tout bail ramener à nous même sur la décision personnelle au gain pour prendre et au dit faut rester au même pour système n'a changer écoute nous prend discours ça un paquet de fois déjà et à la fin une démagogique. Faut faire très attention pour c'est pas même discours système là qui a circulé, qui a retourné et puis encore une fois avec un soubassement qui a une idéologie là-dedans qui est que moun sa yo yo gagne toute bagaille là, un tel pas gagne toute bagaille là, mais le regarder moun gagne toute bagaille là, yo gagne rapport avec eux. Yo gagne relation avec eux, c'est grâce à eux même qui fait à perpétuer ça y a faire. Donc est-ce qu'on va faire rupture avec eux ou bien est-ce qu'on va faire rupture système là? Meilleure façon pour faire d'après moi même les analyser, il faut qu'on quitte moun yo gagne accès à système là. Donc clé où soyez, sort où pensez goyer, c'est pour quitter espace là ouvert pour moun yo gagne pour cacher le système là. Mais autant que camper ou même moun yo identifié déjà à système là, c'est système non yé et c'est ça le problème là. Moun yo identifié comme si et système là présente tout comme c'est ou même qui garantit. Donc la difficulté ça ou mettez moun yo dans situation que ba bral continuer comme ça et moi-même m'a dit très honnêtement moi réfléchir en regarder ba ça c'est que chaque jour en plus pour moun qui pense que c'est intérêt yo, que président Jean a fonctionné à défendre ou bien c'est pas intérêt à défendre m'a dit en situation ça
chaque jour passé en plus en condition ça a permettre que l'État n'a pas plus capacité pour nous faire l'État parce que le président permet que contradiction dans l'État paraît évidente complète devant tout le monde et tout on a obligé identifier prendre parti côté hier li ka mette non conflit social qui extraordinaire que personne pas résoudre. Donc moi-même me pense jodi à tout le monde qui voulait comprendre que faut président était frère appuyé là faut faire très attention à démarche ça. Faut faire très attention parce que les contradictions n'a fait que exacerber et n'a bien plus problème pour nous résoudre. Donc autant que nous comprenons le système là que depuis jeudi à nous prendre décision sur la manière pour nous changer là. Et me penser ça nous doit pas être plus devant. Comment nous pral faire pour bagaille ça changer parce que complexité et map tout dans le bayanto avec le système là a craser hein. Système de lui-même a crasé, faut faire très attention. Nous avons capacité pour chef l'État, gain moyen pour le kembe système dans vie malgré difficulté yo. Donc c'est très important système là extrêmement puissant jusqu'à aujourd'hui. En tant que gardien système là, il kembe dans vie. Absolument. Mais il vient à des chiffres quand même. Il parlait de inégalité sociale et monde qui a prend ponya dans la banque, dans microcrédit tout côté à 60% là et puis gain de l'autre monde il dit qui gagne pratiquement un tiers dans ressources l'ONA et qui a payé à 3%. Bon. Bon, nous connaissons de qui est-ce, t'as parlé? Oui. Moi-même, j'ai dit quelques bagailles. La première chose, c'est que nous avons dit discours ça, développé dans l'occasion qu'on fait de presse là. Nous avons dit c'est pour jeter la confusion dans l'esprit des gens. C'est un brouillage. Parce que c'est dans le système, ils ont fait ça tout. D'accord? Ils ont lancé une parole. Et puis, les ça, peut-être tout pour brouiller ou pas clair, etc. Et ça, monsieur, a cherché fait là, c'est fait, moun oublié qu'il est le produit du système. Parce que comprenez bien, monsieur Jovenel Moïse, il n'était pas connu, hein, et sur le plan politique, il n'y a aucune organisation politique, etc. Et puis, subitement, hein, monsieur, vous prenez, vous venez présenter le sous-sendant, pour lui chef d'État. Comme un success story oui. Dans les affaires. Et puis, avec tous les montages que vous faites autour de ça, tout, on prend une question, et tout supercherie, hein, côté vous faites comme un grand capitaliste en question oui, production on est de bananes. Oui, qui réussit, etc. Bon, alors, moi-même, je suis capable de dire, ce système-là, qui a besoin, au monde qui pourra le servir, et puis, qui mettait monsieur là. Donc, créature. Comme chef d'État. D'accord? Donc, forme peuple-là, pas prendre dans bloc ça. Deuxième bagaille que mon capable dit, et pour qui ça m'a cherché à faire là? Qui ça l'a cherché à faire à travers ce discours? Moi-même, moi, deux bagailles l'a cherché à faire. Première, c'est râler en partie de la population. Sous lit. Hein? C'est-à-dire, petit machin. Hein? Mon affaire pas bon, mon qui a besoin de crédit, etc. Pour que le montre que lui même de bonne foi, il a mis l'argent à leur disposition et que ce sont les privilégiés du système qui fait que lui pas barré. Bon. Alors cela nous a répondu, mon cher, au chef d'État, hein, au dépôt articuler politique. Si c'est vrai et que les barré ont été fait pour le peuple là, les barré ont fait pour le pays là, et que aussi de monde qui veut battre dans le haut, pour qu'il s'aille dans mon bon ça, ou vient dire, pour ça depuis bien avant pas dit ça. Alors, je dis à moi, je pensais que ça, son bataille, c'est un bail que monsieur utilisait là, deuxième raison, c'est contre des adversaires politiques. Ou bien contre des gens que vous considérez comme des adversaires politiques. Hein? Et puisque, il y a un monde qui le cité, hein, qui ouvertement déclaré qu'il y a en face lui. Et il y a un monde qui. Qui était allié avant. Oui, qui était allié avant. Qui était ridèle pour le dériver sous pouvoir. Bien sûr. Et. Qui dit ça très clairement, d'accord? Et bien que je dis, c'est sa déception. Et deuxièmement, bien, puisque ils prétendent que manifestation populaire de l'arrière, hein, c'est moun et cap financier, d'accord? Donc, bon, c'est l'élance tout le monde, c'est pour le dire, et que moun ça, ce sont adversaires politiques pour eux, et que ma boule avec eux, d'accord? Donc, c'est une façon pour que les utiliser basse peuple qui est dans la rue contre Mounsaï. D'accord? Alors, moi-même, je pense que c'est un qui très, très pernicieux, très dangereux, que M. a fait là. Hein? Donc, je pense que la réponse, c'est que faut tout le monde
et mettez l'axe sur le fait que maintenant moun ki gros serviteur système nan kap défann ni c'est monsieur Jovenel Moïse. Di gen non. Fito 33% pour un tiers dans ressources lona et puis tout reste système nan coup de poing 60% pour malérer. Mais président ta supposé gon politique nan et à travers comme ça c'est gouverneur banque centrale ouye. Est-ce que c'est pas à travers banque centrale l'état régler problème ça yo soit fait taux d'intérêt et en passant femme dit yo augmenté taux d'intérêt 25% BRH fait taux augmenté. Mon premier aspect que je vais regarder sous question ça, évidemment, comme tel avec et bien parler de question de système, non? Et déjà, et par rapport à discours président sur le faire, c'est question de l'ONA lui-même. Bon désordre qui n'entre tout le monde en pays, et que moi, président lui-même, l'a institutionnalisé des autres. Ça. L'ONA, c'est l'argent monde qui est plus pauvre qui est en pays. Son l'argent retraite que lui. Entendez, on a divisé pour chaque monde 25 000 gouttes, et puis comme si tout milliard de gouttes ça y perdu. L'ONA, c'est l'argent moun qui est vulnérable en dans société, yon vulnérable en dans société, yon mette là, que yon ka jouen, yon espéré jouen, le yon pral pour retraite yon, yon jouen en 20 30 000 gouttes, puis yon ba yon par mois. C'est secteur privé, en général, yon dit, yon pile moun qui se ouvrier, mais dans nous même ici, yon non. Et l'ONA, toute entreprise privée. Oui. Et 12%, 6 patronats, 6 voilà, employés. Gardez masse de monde là-dedans, c'est monde vulnérable dans la société. Oui, en pile ouvrier. En pile ouvrier. Donc, lorsqu'on dit que on prend l'argent ça, et puis on prend le passif là, sans qu'on n'ait aucune analyse qui fait. Et d'ailleurs, tu as supposé qu'on analyse qui fait de fond en lui-même. Évidemment, on a un terme technique, on va dire le là. Tu as supposé qu'on analyse qui fait de fond en lui-même pour garder l'argent ça qu'il a. Qui ça vaut qu'on y a là par rapport à moun que nous anticipé qui parle dans la retraite? Pas jamais une analyse ça qui fait. Et de placement et tout? Oui, de placement, évidemment. Tout ça supposé entrer en analyse là. Mais il y a des ordres qui dans l'esprit. Tout le monde en dans le pays, depuis qu'il y a besoin, comme il y a besoin dans l'ONA, politiciens, il y a besoin dans l'ONA, tout le monde, il y a besoin dans l'ONA, sans qu'il n'y ait pas fait aucune analyse de dossier pour nous connaître. Est-ce que l'agence a, moun qui peut le retraiter, il va le faire l'agence ça? Ça, c'est le premier aspect, mais c'est supposé souligner cette question. Mais maintenant, l'on a parlé de question de système, non? Le président fait allusion à question de système, non? Il y a un deuxième aspect dans le système, non? C'est régulation de comportement moun en dans société, la question de appropriation de richesse. Faut réguler. Qui est-ce qui est en chef de question de régulation, ça? C'est l'exécutif. Concentration que n'a parlé là, toutes des autres n'a parlé dans la douane, toutes des autres que n'a parlé dans la PNU, toutes des autres n'a parlé dans l'institution de l'État, qui supposait ba moun service, et supposé ba moun accès à une série de causes en dans société pour ka ou même produire richesse, c'est exécutif là qui est responsable ça. Et là, l'on a parlé de moun qui met en série de institutions en dans l'état qui sont fait, c'est évincer qu'on évincer en série de l'autre opérateur en dans système là, en dans économie. Ça veut dire tout créneau de production de richesse qui ka fait en dans pays ou permettre un groupe économique en dans société de institutions ça voilà. Donc si président voulait parler de question de système non c'est là vous le regardez régulation comportement moun yo comportement groupe yo en dans société mettez ça devant tout le monde devant la nation et le ça président dit l'a crédible oui mais et taux d'intérêt est-ce que il va dépendre tout de président et dans rapport avec banque centrale non taux d'intérêt pas dépend de président même banque centrale là il pas qu'avonge sous ça. Et parce que tant que là pendant que pays en crise économique ça banque centrale pas vient l'autre bail il fait augmenter taux d'intérêt. Ça veut dire qu'il n'a pas succès et oui. Succès économique. Ou déjà dans une situation d'économie asphyxiée. Déjà, je suis d'accord avec vous. Mais la Banque centrale lui-même, il n'a pas déterminé le taux d'intérêt. La Banque centrale, là, ça le fait. Il a augmenté le taux d'intérêt lui-même, bon BH, qui lui-même, pour aller son sorte d'indicateur. C'est l'indicateur directeur? C'est ça. Ouais, son taux, il servit de taux directeur, si vous voulez, dans l'économie. Qui a dit que au cas prêter l'argent dans la Banque centrale à temps. Donc, on n'a pas aucune raison pour le prêter à PPT. Mais là, justement, c'est ça qu'on a regardé, qui a fait un. Mais c'est lui qui fixe le taux d'intérêt général pour l'activité bancaire? Non, c'est banque qui fixe le taux d'intérêt. Et banque qui fixe pour compte? Ah oui. Oui, en fonction des conditions du marché. La condition du marché, c'est ça. Mais c'est en référence à taux BB à fixer à banque? Non, alors. Ajuster. C'est comme si M. Ben Gon Institution, il dit que, ou même pour venir l'école moyenne, ou à payer
50 gourdes par mois. Qu'on y a là, ou même au cas, et ça dépend de si vous voulez attirer moun, beaucoup trop là, ou pour regarder et ça mettre ben fixé pour dire que non, 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 moi m'a toujours, et l'école moyenne m'a toujours fait payer 60 gourdes. Ou qu'a toujours fait ça. Et puis, l'ancien gouverneur, il va faire discussion avant, mais communiquer, me dit, c'est comme si moi, Banque Centrale dit désormais, mais qui taux qui peut pratiquer dans le système bancaire haïtien. Non, taux pas lui. Mais qui toque l'offre. Et c'est lui, immédiatement, Banque écrit tout client, il dit comme ça, il a augmenté l'intérêt. Non. Ça finit depuis 1988. Ah, bah, ça a fini. Non, Liliane, actuellement, la grande libéralisation financière en Haïti faite en 94-95. Mais il était déjà gagné des annonces, des amos sur question de libéralisation. Mais 94-95, la Banque Centrale ne fixe plus. Depuis 87-88, la Banque Centrale ne fixe plus. Il aurait tourné sous ça. Non, tout le monde d'après la mouille. Non. Mais Fito, quand même. Taux par là influencé par l'autre chose. Non, bien sûr, parce que ou gagne un taux d'intérêt que Banque Centrale a fixé à travers les bons BH, côté que toi le fixé, il sans risque, entre guillemets. Donc en fait, ça le fait, Liliane, c'est comme si au lieu pour le prêter ou même dans la radio qui se fait, plutôt à la Banque Centrale là, ou prendre des bons BH. C'est ça que le dit banque là. Bon, je cherche à communiquer à Marélo, on a retourné sur ça. Mais, vous voulez dire, chef de l'État n'a pas eu une influence qui a exercé sous question de à qui prix, parce que si il n'a pas encouragé les gens pour créer emploi, pour faire entreprise, supposé que le gouvernement a une politique qui allait dans le sens, par exemple, pour regarder les pays occidentaux, tant que les États-Unis, pendant que nous avons essayé de faire Petro Baye Soudi, le même toi, tu es selon. Parce que zéro. Zéro. Yeah. Zéro pour prêter le monde qui a investi. Mais on parle de taux négatif. Oui. Ouais. Yeah, si on prête 1%, même, on a des grands bras le bas, parce que faut que quitter lui à un niveau bien 0,5 ou bien comme ça. Non, mais même tout ça, Federal Reserve, là, il va fixer taux pour banque commerciale, non? Lui-même, il fixe taux pas. Mais le Banque Centrale là, le Federal Reserve là, lui-même, Réserve Fédérale là, lui-même, il fixe tout ça. L'autre banque, il aligne par rapport à tout ça que le fixe. Bon, en parlant de système, puisque il a parlé de système bancaire là, et qui est injuste par rapport à peuple là, est-ce que exécutif là, gouvernement, à travers tout pouvoir, parce que le pouvoir législatif là, il n'y a pas de gens qui ont intervenu là-dedans? En pile façon, qui ont intervenu. En pile façon. Et il y a une première façon que le gars intervient. Évidemment, c'est à travers des institutions comme Fonds de développement industriel, FDI, côté que il y a des signaux que le gars mettait, que le gars voyait. Deuxièmement, il y a une série de mesures d'incitation que Banque Centrale là lui-même, par exemple, Banque Centrale a mis une série de mesures d'incitation. Mais ouais, tellement gagné une série de blocages au niveau, entre guillemets, du système, non? Même le Banque Centrale là mettait des mesures d'incitation. Mesures d'incitation, et c'est l'autre monde qui a profité de ce système-là. Oui, c'est l'autre banquier qui prend avantage ça. Qui prend avantage ça. Alors, c'est pas citoyen. Non. Aussi bizarre que ça, l'ONA, qui prend en banque centrale, mais là, il a prêté à 3% la donne, il a prêté à 1%, à 2% la donne. Dit, les gens sont capables de dire, président, que le système de la Brésil là, vraiment, il crée une situation. Si tout le monde a accès à crédit en de l'ONA, à mode comme ça, malgré ses provocations de ça, il pose un problème dans le système, là, vraiment. Il pose un problème. Mm-hmm. Parce qu'elle a influencé la question du taux d'intérêt sur le marché. Effectivement, elle a posé. Quand le monde, parce que on a entré, on a fait de financer achat automobile. Et le financer achat automobile a un taux inférieur à taux pratiqué dans le système bancaire, là. Donc, ça veut dire que lui-même, il a capté un paquet de bons clients, alors que c'est pas nécessairement mission pâle. Et encore, dans ça, on t'a dit dans l'Afrique, c'est que, à faire 12%, 6% pour privé, et pour patron, 6% pour ouvrier. Mais, patron a décidé de ce que, un patron là, qui décidait que lui-même tout le gain doit crédit, parce que il cotise à 6%. Mais, finalité, cotisation, ça, c'est pas finalité qu'on gagne accès à crédit, ou même gagne accès à COB là. Finalité, c'est ton apport, c'est la cotisation sociale à permettre que Mounio, l'air, pas travailler encore, parce qu'on n'a pas un système de pension.
au niveau des entreprises dans le pays, yo vouyil al jwenn institution qui pour gérer ça après. Et moun yo pa développé comme ça. Yo comprendre que parce que comme la réalité bali c'est pour yo lié, mais c'est pas la réalité. C'est pas comme la pour encore. Pas du tout parce que l'état pas fait obligation même mettre un système de pension en d'entreprise cotoyer. Donc entre gagne bail institution qui gagne caractère national qui permet que tout monde qui travaille dans le privé qui va dans le système de pension l'état qui gagne accès à une pension leur fin de travail. Donc c'est ta cotisation pendant moun n'a travail avant ou cotiser ensemble avec pour permettre que demain li joindre une condition mais comme là pas au service de eux-mêmes. C'est vrai qu'on pas comme ça. Non, on avait peut-être envie faire fructifier plus mais c'est pas au même déterminer ça ni de justifier non plus. Ou pas sous marché de capitaux et malheureusement bah ça très compliqué en Haïti pas comme ça lié s'il existe effectivement son bail de comme si l'équipe banque pas prêter comme là comme ça côté bon puis avantage voilà. Donc en final, il veut que pas comme ça. Certainement oui. Non, pas que pas comme ça. Non, comme ça. Gain on c'est le chaos. Je connais. Oui, mais non, justement, n'a pas de système. Oui. De système. Moi même du que je connais ça exactement mais on retourne sur système ça. L'autre dit mais c'est ça fait ça dire mais président, c'est job ball que on gagne 60% yo, taux d'intérêt 60% dans le système là. Mais banque centrale gagne moyen pour l'influencer et faut ça expliquer ça gagne moyen pour l'influencer. L'elle mettait toi plus bas, faut au moins mon regarder, yo cabal là, yo gagne des choix alternatifs. Non, mais qui en fait journée jeudi à président vient présenter comme yon il pas qu'à faire rien contre le système là empêché. Ce système là oui qu'empêche le fait. Et homme d'affaires ça empêche. Et fait ces moments commencement, il me question les balité bay mot pour débrouiller comme là. Qu'on a remetté la cause. Il va de bail moi. C'est que lui réaliser que il n'a pas ce pouvoir. Mm-hmm. Lui décider. Système de réseautage monté là pour me péter mettre ben système mafia monté là fait que il n'est plus le chef de la mafia. Mm-hmm. Et il s'en plaint. Donc c'est pas le parrain. Oui, pas le parrain. Oui. Mais on continue à analyser le système. Nous avons vu qui genre secteur business privé en tout cas monde qui est hégémonique qui est plus moyen. Yo pose main sous l'État et pour vous-même et c'est au tournant de événement 2004 yo qui vient abouti 2011 je viens paraître quoi mon compte dit tout quoi yo et dans ça mais est-ce que c'est seul aspect ça qui gagne dans système là est-ce que système là on a parlé de système qui est en application en Haïti hein qui bail résultat que nous connaît depuis deux siècles hein où gagne majorité population qui marginalisée dans propre pays et a dit une misère de masse. Et bon sociologue qui te corrige, mais tu vas dire majorité moun yo marginalisé, majorité moun yo yon ont misère de masse. Et puis, ou gen 2-3 grains de moun qui ka dégagé yo. Et bon, situation terrible, c'est nous même qui pi mal dans toute région. Résultat, ça, ben, je ne j'en dis à nous face à la fois un résultat et un résultat de siècle. Système ça depuis le paraît de commencer à fonctionner après 1804 soit fait que moun qui a la tête l'état dirigeant quel que soit nom le gagnant qu'il tire les rois président général premier ministre etc. était bloqué on doit continuer on pensait que dans le cadre de Michaud de Baïtetio, c'est défendre l'intérêt oligarchie. C'est pour ça là. Autrement dit, il n'y a pas là pour bailler tout pour l'école. Il n'y a pas là pour occuper bailler tout le peuple à la santé. C'est-à-dire mettre l'hôpital, etc. Jusqu'à présent, il y a deux côtés en deux pays. Il y a des sections communales ou pas même gagner. Un centre de santé, ouais, un dispensaire. Ou des problèmes route dans le pays, route de pénétration, hein, pour sortir des côtes ville, parce qu'on est nos principales villes. Ce sont des villes côtières, ce sont qui découlaient de la colonisation. C'était des villes ports, des villes qui étaient là pour faire export, import-export avec la France, etc. Donc, en deux pays, pendant la période coloniale, là, il n'y a pas occupé, mettez-le
en valeur, yo pa te fè intégration. Élite ça qui reproduit même mentalité coloniale là, li pa question pour faire intégration nationale pour nous toutes force seul pour nous former une nation. Non. Son a fait que équipe qui prend pouvoir utiliser appareil d'état pour enrichir. C'est ça, mon ami, tête d'habitaléa. Politique là servi comme mode d'appropriation de la richesse. C'est-à-dire que pour moun yo riche, c'est pas la production au besoin aller. C'est pas ça. C'est à partir de la caisse de l'État. Hein? Alors, comme à l'époque, t'as parlé tout à l'heure, c'était terre qui gagnait après 1804. C'était terre qui était la source de la richesse. Yo prend terre, yo pour les anabsatéistes, yo quitte le nommé quelques paysans là, etc. Et puis, qui baillou, puis font dans récolte là, et puis yo même yo vanni là-bas. Mais c'est terre tout qui touye de Saline? Oui, oui, bien sûr. Nous connais de Saline mourir dans quatre bails ça. Bon, alors, parce que l'idée dit, monsieur, le pas d'accord avec yo. Et puis, yo n'gade l'autre. Yo dit, m'pas oublier ça. Yo dit, l'aide de choisir, monsieur, comme général en chef. C'est pas pour ça. Hein, nous t'acceptons, monsieur comme général en chef. Hein, pour te conduire à l'indépendance, c'est vrai. Mais c'est pour le diriger pays à pour nous. En faveur nous. Hein, ou est dans le complot. Hein, dans le complot. Hein, t'es gémis là, t'es droit, oui. Y a yo qui coupe, douette, monsieur. C'est dès que tu viens me coûter avec lui. Hein, n'est-ce tout. D'accord. Donc, sauf façon pour nous dire que, dans le cadre système ça. J'en ai planté. Oui. Pas qu'à gain politique nationale, pas qu'à gain politique pour intéresser lui à la collectivité à résoudre des tout problème qu'on parle là-haut qui est réel. Hein, donc, son système oligarchique. Son système oligarchique que lié. Donc, tout le monde qui a eu un petit bail là-dedans, c'est pas effraction entre. Oui, c'est-à-dire que la débrouillardise. La débrouillardise. Qui fait qu'on arrive à l'école, qu'on a une petite santé. Mais ce n'est pas une politique publique qui établit pour tout le monde bénéficier. Mais la question, c'est que vous avez une pétition. Quelqu'un dans la masse là. Vous avez un soldat qui a balle de sécurité, qui est servant, etc. Il y a quelques avantages, quelques miettes. T'as coupé 25 000 gouttes à 1%. Bon, m'pas qu'à bailler mon temps, même t'as qu'à dire que, mais c'est bon politique pour la promotion des 25 000 gouttes là, pour bailler, pour bailler ça. Depuis quelque temps, après. Vous parlez de quand vous avez 5 gouttes. Oui, je vois le compte mon petit chèque de résultat bas pour 150 toujours dans l'autre pour 150 gourdes etc. pas moi mais pour Québec on est dans même oui dans même situation. Alors, et puis au même pas, pas pour faire émergence non du tout non. Et pas pour transformer le pays l'autre bas pour analyser dans bas ça je me dit que les jodia pour changer le système d'accord au fond c'est abandonner ces révolutions. Est-ce qu'on pense bien comprendre ça y a dit système? Est-ce que y a vive injustice là? Mais est-ce que y a bien articulé? Est-ce que bien comprendre qui ça? Gombagay que comme nous vivons, on connaît ça là, dit pas beaucoup. Hein? Ça dit gens là qui organisé. Mais en même temps, tout nous obligé prudent parce que nous en pile bas est passé devant nous. Est-ce que parce que nous avons des jeunes tout qui t'a dit pour changer, pour tout bas changer dans le pays et puis c'est au même jeune dia qui arrive dans un gros poste et qui a défendu ça. Tu crois? Est-ce que là, mon nom dit changer le système, c'est pas que c'est personnel qui demande pour t'appliquer? Et non, mais en même temps, c'est capacité de système dans tout pour le corrupter. Oui? Oui. Parce que il n'y a pas nécessairement l'élan, ça y est, mettre Ben Baye de révolutionnaire, penser la révolution. Il y a comme si naturellement penser qu'il faut pas la changer globalement. Mais le système n'est là pour le coopter, oui, pour le rallier. Le système n'a pas changé lui-même. Pour aller au grain par grain, et puis le mettre dans des positions, et puis le museler, bataille à fini. Alors, je dis à l'entendre, j'ose avoir une question. La question, c'est beaucoup plus la question de l'impuissance du chef de l'État. Et monsieur découvre que l'impuissant, il découvre que le pas une capacité pour le manier en rien le système, ça. Donc, monsieur, il a une sorte de bagaille de dénoncer. Même j'ai mon gars qui pas normal, là, monsieur impuissant, il est incapable de changer. Parce que d'abord, il faut déjà réfléchir de ça depuis avant d'entrer au pouvoir.
faut dès le départ être développer une capacité, une compréhension de dans salta patria pour te connait gien pas changer. C'est peut-être ça après 2 ans et demi et puis il rivé il dit bagaille ça, Jean Lia là, la perpétuer sous nous, la développer sous nous, même monde qui bec lio, même monde qui fait stable, il en train de dénoncer comme le simple citoyen. À la limite ça question ça poser là, est-ce que monde comprendre a fait système de l'Isalia. Le président pas comment l'Isalia système n'aille. Li wè, les effets surface, li wè un contrat qui amené pour faire comme ça. Li pas une prise sous lui. Li pas une compris, li pas une capacité pour le modifier. Parce que la question du taux d'intérêt la palé, mais ça fait, j'entends dire, ça fait partie d'une politique publique, politique d'investissement. Comment y'a organisé ça? Comment y'a monté les entreprises dans le pays? Qui j'ai actionnariat à fait dans le pays? Qui pourcentage vous mouniez une entreprise? Qui vous ne pas gagner une entreprise? Tout le monde est défini là où vous avez contrôle, où vous avez compréhension de qui sont rentrés. Mais là où vous êtes comme ça demain, vous êtes dépourvu. Nous sommes l'État quand même, nous avons un code d'investissement. Oui. Et qui définit tout ça. Mais tout système et tout ça, c'est toute loi, c'est toute code. C'est essentiellement. C'est justement, vous avez que le président, une an ou les arrivés président, sous combat et qu'on voulait changer, on voulait faire, c'est où ça yo. C'est remettre au chita, puis reposer, poser question, puis modifier, faire ce qu'on faire. Faire ouverture sociale qu'on veut faire. Ça, t'avais des lois, des règles établies, des barres définies. Et sous tes faits, nous avons bien senti ça déjà. On n'a pas besoin de dénoncer. Il est évident qu'on commence à faire bagaille. Et c'est l'État, peut-être, que ça a pris les contours. Oui. Non pas le peuple qui t'a pris la rue, non. Qui t'a pris les contours. C'est l'État qui t'a couru derrière parce que l'État lui-même. Il t'a, ou t'as compte intérieur déjà fonctionné. Donc, ou t'as bien une contestation de l'intérieur. Et c'est peut-être ça, je veux dire, c'est pour un coup d'État ou presque qui a gagné un là. Ou plus, gagné envie, ça a mouniré un coup de peuple. Parce que c'est le peuple qui est dans la rue qui dit que c'est un marché, marché, il n'est pas bon pour lui. Parce que l'État d'accord avec quelque part. Parce que toute règle ou gagné là, protéger. Ou pas modifier une. Qui loi depuis 2 ans et demi qui fait un pays à voter, qui modifie structure sociale pays. Ou tout faire transition pour moi dans le système qui wall. Pouvoir législatif là. Ah, ouais, avant même que nous entrions dans la question de changer loi ou bien poter de nouvelles lois, respecter loi qui existe. Si mettez en application. Si au moins la mise ou t'es appliqué loi qui existe, des autres qui ont fait dans la douane. En fait, non? Mais premier dans la loi, c'est la constitution qui t'a pas appliqué voilà, dans l'intégralité. Voilà. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons parlé de questions de et système là, et difficultés qui viennent dans le système là, pour permettre qu'on réponde à besoin de la population. Ouais, il y a un élément extrêmement important que nous avons dit, c'est le rôle de régulation des comportements dans le système là. Mais le système là, si vous voulez, Jacques l'établi, alors on nous dit arrangement. Rapport entre différents mondes dans la société et différents groupes dans la société. J'ai que le fait là, Ishita essentiellement sont l'état prédateur et sont économie de rente. Et économie de rente, ça, il n'y a pas besoin d'un gros système éducatif pour tout le monde qu'on lit, tout le monde qu'on écrit. Il n'y a pas besoin de ça. Donc en fait, c'est pas comme si son volonté pour moun pa kon lit, pour moun pa kon écrit, pour moun pa éduquer. Non? Système dans le jeune, il n'y a pas besoin de ça. Parce que son système extrêmement réducteur, côté que Ishita, sous 4 opérations, bien, mais j'ai peut-être dit là, 4 opérations pour qu'on fasse, soustraction, multiplication, division, de pour qu'on fasse, ou qu'à fonctionner dans le système. Non? Donc, ou pas besoin, ou juste besoin des mouns minimalement formés, qu'on a mis en dans boîte quoi, dans le système. Non? Évidemment, ou gagne 2-3 éléments pour qu'à défendre. C'est surtout là, ou besoin d'avocat, à ce qui a fait, sous intervention de groupe, besoin d'intervention. Et couche moyenne, ça voilà. C'est de génie. Ou tellement mépris, toute chaque fois, m'a fait des jeunes médecins, etc., qui a touché 24, 25 000 gouttes dans le système, ça, là, qu'on y a là. Ça montre un mépris qui gagne pour couche intermédiaire. Donc, par une loi, Jovenel Moïse prend depuis 2 ans et demi pour changer la situation. Ça, ma connaissance. Voilà. Pour protéger les gens, voilà. Mm-hmm. C'est des gens qui ont fait 14 ans à l'école secondaire, 7 ans, 8 ans. Dans l'université, 2 ans pour question de social, etc., résidence. Donc, bonne année d'études. Bon, monsieur a touché 24, 25 000 gouttes. Monsieur pas fou si répondre à besoin pour peut-être pas après toute année d'études, ça, voilà. Donc, en fait,
ou bien un couche intermédiaire qui a amenuisé, qui a vin piti parce que pas existant dans le pays. Mais pendant qu'on gagne ça là, on gagne deux groupes moun, on gagne groupe moun za wala, ou trois groupes moun qui profitent du système là. Trois groupes moun za wala, c'est moun secteur traditionnel yo qui eux même yo connaît comment pour agir sous système de rente là. Ou gagne moun qui paraît yo qui prend tête yo comme les anciennes victimes et qui a émergé en dans système ça là. Ça n'a pas parler de dans fin pour une partie émission. Voilà. Ou gagne groupe moun za et c'est moun za. Et là et troisième groupe le appel là. Troisième groupe c'est les grands commis de l'État. Qui eux même c'est les directeurs généraux. Voilà, c'est pour signer papier pour etc. Donc et eux même intermédiaire entre bourgeoisie avec reste l'État et ça? Avec reste l'État. Et c'est la corruption entre ceux qui ont droit aux frais, aux faux frais et aussi aux frais. D'accord. C'est ça. et pour signer par exemple un papier pour bailler une licence pour et pour jouer une autorisation. On dit mettre ben ça dit là c'est de la gnognotte, c'est pas là bail à faire. C'est ça Lilian dit, c'est pour signer autorisation. Non. C'est pas les faux frais, c'est pas les frais. C'est pour signer licence, autorisation, passe-droit, franchise, etc. Ce sont les grands comités. Publié dans le journal officiel, le moniteur, etc. C'est là où la chambre. C'est une grosse négociation. Pour voter. Pour loi passer dans la chambre. Pour loi passer dans la chambre. Parce que dans l'intermédiaire, on met des parlementaires autour. Ah oui, non, intermédiaires et parlementaires eux-mêmes, ce sont les, pour moi, en pile là, ce sont les entrepreneurs politiciens. C'est entrepreneur politique, ça va. Mais vous parlez de hommes d'affaires qui gagnent de groupes parlementaires, vous dites tel gagne 20 parlementaires, vous gagne tant de députés. Qui en concurrence avec un série de groupes parlementaires. Ça veut dire, vous gagnez, c'est des groupes opposés, que des fois, vous faites jonction, puis vous arrivez à un résultat. Mais il y a pas de compétition. Tel homme d'affaires. À tel homme d'affaires. Qui convoque eux, ah, oui, qui oui, dit, oui, mais qui j'en peux voter, mais qui ça peut faire. Mais qui séance pour boycotter? Qui est-ce qui vous passe comme premier ministre? Donc, qui est-ce qui va passer? Allégeance, c'est pas un parti. Et tu en sais quelque chose? Passer comme premier ministre. Allégeance. On est selon. Allégeance, c'est pas un parti. J'aurais pu dire qu'on est selon. Parti politique là, capable de prendre une décision, que le veut, etc. Mais, parlementaire lui-même, il y a des gens qui ont orienté le papa. Et c'est pas parti là qui a orienté. Non. Il va mettre en application. Il va garder les gens vis-à-vis de lui. Chaque élu son parti politique. Oui. Mais ça lui-même, il y a un autre rapport beaucoup plus complexe, le rapport social, parce que ma élu majoritairement, il sorti dans tout le pays, il sorti très loin. Oui. Mm-hmm. Et puis, gende, c'est pour la première fois qu'il fait contact à une série de monde qui c'est de grand Manitou dans la capitale là. Et ça a posé des problèmes, parce que il y a un problème de transfert de classe tout cas fait en même temps. C'est des problèmes sérieux. Ça qui explique ça, sans justifier, gende le, mon nom sorti dans basse classe moyenne. D'accord? Et puis, grâce aux études, etc. ou bien à quelqu'un qui a pu le joindre en dessous de l'État, devenir député, etc. ou bien devenir sénateur. Eh bien, premier problème, ni, c'est que faut que lui fait transfert de classe là. Hein? C'est-à-dire que l'oublier petit peuple là. Que il parle dans le grand salon. C'est. Il parle dans la haute société. D'accord? Donc, à ce moment-là, il est prédisposé pour la corruption. C'est tout ça qui est la question. Ça te pose pour militaire et tout? Oui. Dans l'armée. Oui. Parce que le plus gros problème, c'est que M. voulait rester à niveau ça que l'arrivée oui, là. Oui, c'est ça. Et le problème, il n'est pas capable de chuter après. Oui. Parce que tout est un bas exemple qui j'ai des députés après. Après camionnette. Même machine, il n'y a pas camionnette. Donc, mon avis, ça comme devant, comme problème que le pape voulait arriver. Donc, dans les 4 ans que M. est élu, il faut qu'il ait à niveau. Il tout lever à terre, toute famille. Oui, il projette ville à ce niveau-là. Donc, dans ce cas-là, écoute, toute sa vie, il est avec ça. Le système n'a pas de problème pour le recycler Mounsa. Il n'a pas de problème pour le rejeter, pour le kembil là, parce qu'il connaît que Mounsa a fait n'importe quoi pour perpétuer le système. Là. Donc, ça, c'est le pouvoir de l'État qui n'en met monde qui est hégémonique dans le business, dans le pays. Dans le business avec un série de gros opérateurs qui n'ont pas le même. Oui. Et dans le international. Dans l'État. À travers parlementaire, à travers international, à travers le pouvoir législatif là, il n'a même international là tout. À travers l'exécutif là tout. On change une image que nous avons à la fin mandat président Martelly. On toujours rappeler image ça, dans fin mandat président Martelly quand nous avons réalisé que Martelly pas qu'à faire élection et que maintenant il va en transition éventuellement. Il était besoin séance la nuit. On a souhaité 7h 8h du soir dans le parlement. Mais nous rappelons que ambassadrice à l'époque là,
avec sandali, pas même quoi qui était outil. Non, non, Jésus-Christ dans pied. Jésus-Christ dans pied, pas qui était outil. Il était roulon dans tête. Oui, roulon dans tête, toujours mise en pli. On parle en mot ancien. Mise en pli dans tête li et puis la téléphonie. La après tout député, la pas écouter où il est. Il veut venir travailler là. Il est descendu dans le parlement. Dans le parlement de même après tout le monde. Bon, bah là pas de passé parce que mon dieu qu'on est bah là fini et ben je pense que par deux femmes de bah c'est encore du tout. Ça fini, c'est autre chose, il voit déjà le futur à ce moment-là. Pendant dans le passé lui-même, il était dans le futur. Donc ça c'est pour pouvoir législatif là qui lui-même tout le capter. Capter. Non, il va rien bail de manœuvre pour voter des lois pour intégration nationale pour permettre grande politique publique dans le domaine santé, dans le domaine éducation, dans le domaine et protéger environnement rien du tout. Et malheureusement, il y a des cas exceptionnels par rapport à ça que tête dire. Ça que monsieur pas réalisé, si lui-même il te permet, il te en on dit injecter de loi en dans système là pour te permettre pour accommoder reste mon dans la société. Lui-même c'est là le d'abord donné. Il t'a profité de ça. Mais il a coûté mais ton réaménagement, il a coûté. Lui ouais quoi de balier. Non, il pas quoi dans, il pas quoi dans ça parce que pourquoi résultat ça. Il pas aller. Il a un exemple devant lui. Il pas résultat ça. Mais loi ça que il prêt voter ou bien il prêt bloquer ou bien monde ça prêt l'empêcher pour venir premier ministre, pour venir ministre ou bien il prêt faire venir premier ministre. Non, il pas faire seulement et parce que il ont adhésion idéologique. C'est-à-dire qu'ils payent pour faire ça, ils sont corrompus pour le faire. Pour le faire ou bien pour ne pas le faire. Ouais. Parce que nous sommes là, dernier scandale concernant 100 000 dollars. Nous avons combien de députés ont été touchés eux-mêmes qui étaient par les premiers votes là. Je ne sais pas si besoin de domaine, mais simplement pas pour occuper. Depuis pour occuper, il faut. Non, mais si tu as des yeux idéologiques, si tu es d'accord, tu es d'accord. Parce que tendance politique, ce n'est pas même ça. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, même tu as des interviews président et RFI. Côté monsieur dit que mais majorité le grand bas pas pour lui. Majorité c'est des moun parlement autonome mais et pas parlement autonome, chaque député autonome. C'est des entrepreneurs oui, justement. Puisque il y a sens de l'entrepreneuriat déjà, il développe autonomie entrepreneuriale qui permet que qu'on ait comment peut gérer la question du vote. Par son source de captation du capital lié donc pas besoin de dire ça. Mais et pouvoir judiciaire là. Ah non, dans le système, non. Non, justement, pour le judiciaire, là, il est au service de l'arrangement qui est en place là depuis un bon bout de temps. C'est lui-même qui fait tout problème foncier que nous avons parlé là. Problème judiciaire, accompagner situation tenue foncière que nous avons dans le pays. Là. Système judiciaire, accompagner l'enjambé, nous soutenons la rente sur l'agriculture, nous venons dans la rente sur l'import-export. Pour le judiciaire, là, accompagner ça. Qu'on y a là, nous avons la rente sur le commerce de l'argent. Pour le judiciaire, là, accompagner ça. Pour moi même au service la à travers avocat qui a défendu le système là mais c'est pourtant le parent pauvre du grand système mais pas investi en pile dans la question justice en Haïti et par alors on m'a dit que le parent pauvre sur le point de vue institutionnel éventuellement institutionnel mais budgétaire ouais c'est très important mais sur le point de vue personnel et individuel il faut pas en juger non il faut pas parce que de la pouvoir eux même ils ont la part du lieu dans le budget mais écoute on va qui c'est même quand on a dit dans la radio que arrêter mon nom il en détention préventive prolongée. Là on attend des bonnes sorties il pas sorti malgré le gars qui dit au libéral. Et parce que vous avez un cob qui ne fait pas libérer. Oui, mais qui est-ce qui est en prison? Qui est-ce qui est en prison? Mais même monde qui n'a pas de moyens, ça, oui. Là, il prend prison. Pour le sortir, ce n'est pas plaisanterie. Monsieur, vous le payez pour le sortir. Mais je vais arrêter ton grand avec tout. Ils vont battre l'avocat qui a sorti immédiatement. Oui, mais il a coûté un pile cob d'oui. Il a coûté un pile cob. L'a coûté un pile. Ah oui. L'a coûté un pile. Ah non, ce n'est pas comme si il faveur a fait non. Ah non, non, non. Mais en même temps, pendant parler de question de justice, non, et ça, tout, n'a pas venu pour la police tantôt, pour si la police est au service tout. Yo parlé de moun nan système justice nan et même dans la police nan qui c'est des chasseurs de drug dealers parce que ça c'est comme cash depuis que yo jeune moun sa yo bien arrêté yo fait chantage sou yo ou bien là yo dans prison avocat a faire bail cob pour aller payer juge c'est son gros source d'argent kounye là non seulement d'a parlé de système qui est établi mais qui tout entrée marginale sa yo tout dans système nan qui vient contrebalancer. Parce qu'on t'a parlé de nouveaux pouvoirs fit au commencement. On t'a dit qu'il y a l'autre pouvoir qui vient contrebalancer le pouvoir classique. Là. La dernière, il y a le pouvoir de contrebandier, il y a le pouvoir de drogue, et le pouvoir de trafiquant, tout plume, tout plumage. Si, il y a un pouvoir qui est extrêmement important. Et là, ce n'est pas seulement en Haïti. Lorsqu'il y a un type de transformation économique qu'on s'est fait, et avec affaiblissement de l'État, les gens ont même constitué propre force pour protéger la tête.
Et là, ouais, comment le manifester, comment ça se traduit en Haïti? Ça se traduit par pollution, ben mettez le comme ça, pollution qu'on gagne de services de sécurité, et ça se traduit en Haïti par les gangs armés. Donc, que ce soit mon entrepreneur politique, secteur traditionnel, qui entraîne un affaiblissement de l'État, ça, monsieur lui-même, il est obligé de gagner à la disposition police, gangs armés et services de sécurité. Ça, ça vient des auxiliaires pour permettre qu'on consolide le système. Ça. Et ça, c'est ça, ça que nous vivons. Et c'est de vrais pouvoirs. Mais, ce soir. Depuis qu'il y a une mafia qui dominait l'État. C'est ça. Et comme Fridien ne le dit. Donc son pouvoir est bandit légal. Il y a tentacules de tous côtés. Tous côtés de l'administration publique, au Parlement, au pouvoir judiciaire, etc. Dans la police. Oui, tous côtés de toutes les institutions. Et la police. Je dois bâtir attention sur la police. Tant côté qu'un pile policier au service de grands businessmen. Mais écoute, mais il y aurait les policiers bah, qui là pour maintien de l'ordre. Mais qui ordre que pour le maintenir. Mais c'est l'ordre établi. Qui ordre établi bien? C'est l'ordre sans parler de lien là. C'est l'ordre du système. Nous ça veut dire que vous pas reprocher que le pape défend l'ordre établi. C'est mission, ou formé ou pour ça, ou même encore les six mots, c'est corps d'intervention et de maintien de l'ordre. La notion d'ordre que vous définissez, on parle à qui moment définit le pouvoir, qui s'allie, mais c'est s'allie. Par exemple, vous contestez, vous prenez la rue, vous contestez le président. Mais vous contestez le président, il dit que le président allait. Mais son rupture de l'ordre que y a fait. Mais la police a en face, la police dit lui-même, c'est l'ordre qu'il faut respecter. Et quel ordre qui est là, c'est que le président là, il faut l'arrêter. Donc, mais est-ce que la police a recevoir l'ordre pour le président arrêter qui a sorti de homme d'affaires, par exemple? Mais s'il fait partie de l'ordre, c'est de l'ordre établi, n'a pas l'air. L'ordre établi, c'est pour ça, et fonction, c'est garanti l'ordre établi. Même si on a annoncé qu'il faut changer l'État, mais c'est une question de l'ordre, oui, on va l'établir. Et les gens qui forment déjà pour défendre l'ordre, ça, il faut le reformer pour défendre l'ordre d'une autre façon. C'est un ordre, oui, c'est que même du point de vue conceptuel, du point de vue idéologique, du point de vue de fonctionnement individuel, mounio, tout ça va obliger de changer, oui, si vous faites. Et pas simplement bah, comme si vous allez faire l'élection, puis un président monter. Et puis, c'est le même ordre qui va le guetter. Et c'est justement, oui, la question de changer l'État, c'est ça, changer l'ordre établi, les rapports, Jean-Philippe Sabdia, en deux systèmes dans le système. Mais changé. L'État qui doit son ordre établi classique, qui gagne les trois pouvoirs d'État. Et puis, toute institution qui découle de eux, qui a fonctionné normalement. On est d'accord, on s'est gardé que va fonctionner normalement. Oui, mais pas fonctionner bien. On s'est d'accord que va fonctionner normalement. Donc, c'est l'ordre de dysfonctionnement qui gagne, c'est lié à la garantie. Et c'est plus gros problème. Même dans l'évolution du rapport l'État, même dans l'évolution de l'État et du rapport de l'État prédateur avec la société, j'ai une évolution à faire là. Oui, il vient y a des répercussions, même sous ça que il y a fait Simonio étudier dans l'école. Je me souviens que le moi-même, que l'école au Cap Haïtien, où tu as un l'État, entre guillemets, qui fort, c'est l'État lui-même qui a décidé sous parle, sous parle pour, sous parle dans la prison, etc. Où tu as une instruction civique. Mm-hmm. Instruction civique qui t'a dit comment pour respecter l'État, ça. Mm-hmm. Okay? Au fur et à mesure que ça a dégradé, instruction civique là carrément disparaît. Il est obsolète. Il est obsolète. Il y a une obligation pour saluer le drapeau chaque matin. Il y a une société. Il y a des gens qui te livrent là. Qui te livrent là. Obligation pour saluer le drapeau chaque matin à 8h. Voilà. Disparaît. Disparaît. Donc. Et Vingo rejet d'ailleurs après Duvalier, comme si c'est pour Duvalier, c'est un rejet collectif contre ça. Mais là, Liliane, bon aspect idéologique dans la question ça, toi. Peut-être que il n'est pas idéologique dans le sens que nous-mêmes, que la poids idéologique là, et le genre de société que nous voulons. Mais il y a toute une façon d'appropriation réelle là, que a dit, il a fait Simon Yo, jeune garçon, jeune femme. Mais comment pour nous voir réel là? Et si vous voulez, bah, là, aller tellement loin, et même pernicieux. Si vous voulez, et un, au niveau éducation, ou pas besoin de bon l'école. On ban l'école bolette pullulée en un pays, ou vin y a des monde qui mal formé en un pays. Deuxièmement, même façon pour accepter tête roi. Bien que en Afrique ça fait en pile, nous-mêmes, on intrusion qui a fait de comment que nous être nous, monde qui belle, monde qui pas belle, tout ça entré. Comme si l'on passé les fausses valeurs, les fausses valeurs. Ah ouais, l'on a regardé par exemple et ça qui a fait nan pour yo, ça que nous avons recevoir comme marchandise pour moun passer sous pour yo, etc. Sous cheveux, etc. Donc, yé, si c'est vrai, nous avons un problème idéologique qui n'est pas posé.
gens qui nous habitués à poser la question de droite, gauche, comment on a pour la société, organiser la production, etc. Mais ils ont l'autre type de son sous-culture. Son sous-culture qui est en train de payer. Qui est extrêmement pernicieux et qui a bon sac au gain dans le type de relation monde et groupe en la société. Dans le rapport qui gagne par rapport à la question système, non? Ou te parle de l'autre type de pouvoir, gen pouvoir syndical, bon, nous pas gen de gros entreprises, c'est-à-dire c'est un pouvoir extrêmement faible et dans le domaine ça, ou gen pouvoir religieux qui même la fait face à de gros crises, et même de mutations, tout a été gen schisme dans l'église, non, et bon, nous a essayé, nous pas connaître, ce qui va arriver, ou gen pouvoir intellectuel là. En pile monde jugé par rapport à 19e siècle et première moitié 20e siècle là, c'est pas même situation du tout. Et puis ou gen pouvoir médiatique là. Comment analyser pouvoir ça yo en dedans système là? Même c'est-à-dire que non l'on société qui est en crise. Les crises dans tout aspect li. D'accord? Dans tout aspect oui, c'est-à-dire que on parlait de d'église, disons des églises. Vous parlez d'intellectuels, etc., et des artistes, etc. Donc, et crise, ça, qui est en dessous, il traversait tout le secteur, ça, d'accord? Bon. Mais il y a le sens, consolider le système, non? Ou bien non, contester le système, il y a, non? Il y a des esprits et qui sont des esprits contestataires, hein, qui parlent leurs écrits, qui parlent leurs chansons, hein, et par leur art, etc., et à véhiculer, n'est-ce pas, des idées neuves, des idées de contestation. Ça. Hein? Mais, faut nous dire, nous sommes minoritaires. Hein? C'est-à-dire que, esprit contestation, moun ka véhiculer idées, ça, hein? Mais, la grande majorité, hein, c'est que, y'en a en résignation. Y'en a en résignation. Dans le moment, ça, que d'abus, je dis à la, pour dire à la, ou qu'à dire que il y a des jeunes qui font nous dire le mot babilisme quoi sous l'influence des médias, sous l'influence de certains militants des droits de l'homme, de certaines personnalités et politiques, etc., et qui dit non bagala pas continuer comme ça. Par exemple, en lui disant, j'ai en tête ces jeunes-là du Petro Challenger. D'accord? Bon. Et c'est une bonne chose. Mais, idée progressiste, ça y est, idée de contestation, ça y est, c'est pour que lui-même, n'est-ce pas, qui représentait la ligne majoritaire. D'accord? Puisque la ligne conservatrice, la ligne réactionnaire, rétrograde, c'est lui-même qui l'a. Dominant. Qui est dominant. Il n'y a pas paraît tête li et ouvertement comme d'ado l'auteur intellectuel qui a écrit pour défendre et l'ordre d'état. Non. Il paraît dans Jean Fritz Abitaloya. Hein? À travers les modes. Hein? À travers une série de chansons. À travers une série d'habitudes. Hein? Même habitude culinaire. Hein? Et moi, me paraît la timonité. Et la Caïbre, etc. Vous voyez du Miami? Oui, on a du prochain, on a du servi avec Maï Gris encore. D'accord? C'est si mon a besoin cornflakes pour le mettre dans boîte pour petit lit qui va dans l'école dans section rurale là, etc. Bon, à ce moment-là, ça, comprend, c'est un gros dossier de transformation. On va dire qui m'a dit qui perturbé. Non, pas dit pour dans l'enfermement, non, pour le fermer sous nous-mêmes, non. D'accord? Mais ouverture ça,
son bail qui allait à l'encontre. Donc, de problème identitaire là. Bien sûr, bien sûr. Mais Ben, tu as dit, et Swap dit là, son réalité en transition. Et pour qui ça me pensait son réalité en transition? Si c'est vrai, et ça qu'on dit là, Ikembe, tu as dit presque à 95%, il y a de cela 15 ans. Je pense que Ikembe qu'on y a là à 45-50%. Parce que qu'on y a là, Haïti, ça veut dire ça que le par exemple, Liliane pral diffuser émission ça là. Son émission qui pral gagner à travers le pays, il pral gagner à travers le monde. Oui. À travers les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Et même au point de vue intellectuel, moi-même, m'a regardé, c'est par exemple, m'a écrit qu'on y a là, le m'écrit, et nous voyons par exemple, qui en Europe, qui aux oui. États-Unis, et puis qui a réagi, etc. Ça, c'est bon, bah, écoutez, qu'a fait, il y a de cela, et 30, 40 ans. Donc, si c'est vrai, au niveau local, longtemps, où t'es un foisonnement de bagages intellectuels qui t'a fait entre nous-mêmes, entre les locaux, là qu'on y a là, où on ouverture sur le monde, qui permettent que ou bien l'autre influence, non seulement haïtien et étranger, etc. Mais en même temps, est-ce que pas la danger à tout, parce que c'est vrai, Haïti, c'est un pays qui est très ouvert, qui a toujours été très, très, très ouvert sur le monde. Mm-hmm. Mais sa perturbation, M. Ben a parlé à Lila à tout. Comme tu as évoqué. Lila, il est perturbé parce que il y a un problème d'ancrage. Prends n'importe une douzaine de petits jeunes là. Mettez musique. On regarde sur qui musique a réagi plus facilement. Non, Liliane, on est sérieux. On est sérieux. Pas sérieux, non? Ou pas, président, pas songer, non, Mano? Dans conférence pour la presse. Oui, même dit Liliane, on est un petit sérieux, ça n'a pas dit là. Parce que c'est. Et je suis d'accord, d'ailleurs. Et c'est moi-même qui t'a dit, mais qui problème qu'on gagne au niveau de. Au niveau oui, de, parce au niveau que là, on est à tout, on ramasse tout le monde. Non, mais attends. Comme on t'a dit différents pouvoirs, intellectuels, médias, etc., moi, je regarde au niveau intellectuel. Nous faibles. Non. Ah, nous faibles, Vito. Il y a non. Ah. Non, pour moi, ils sont illusions. C'est parce que nous avons gardé Haïti à l'intérieur de 27 000 km². Nous n'avons pas gardé Haïti comme ça encore. Il faut que nous gardions Haïti avec toute capitale cognitive qui est au Canada, aux États-Unis, en Europe. Non, je ne c'est ça qui est Haïti, mais son nouvel Haïti qui est lié. Oui, je ne dis qu'on vient pas. Voilà, mais vous n'avez pas gagné de théoriciens. Faut une différence entre romancier avec théoricien. C'est-à-dire vous parlez de Jean Price Bance. Ou pas de dentier dans le film. Ou pas de monde ça encore. C'est une réalité. De Louis-Joseph Jean, il n'y a pas de gagner. Pas de Karl Marx, encore pas de Hegel. Non, pas David Ricardo encore dans le monde. Non, mais on gagne. Non, Liliane. Mais on gagne Piketty. Non, comment dire ça? Il y a Piketty qui s'est écrit un livre là de 1000 pages. Je ne comprends pas une théorie sur l'économie. Non, mais Liliane, on gagne un bon haïtien qui a produit. Oui, bah dit le contraire. Mais bon haïtien qui a produit. Mais gros problème qui passait. C'est éparpillement tout. Éparpillement, c'est un problème nié. Parce que oui, il y a un haïtien qui a écrit. Mais qu'on a un crash là qui s'allie. Non. Est-ce qu'il y a théorisé sur Haïti? Il y a deux bagages. Est-ce que vous pensez qu'il y a développé sur Haïti? Oui, pour moi, oui. Mm-hmm. Pour moi, oui. Et vous pensez. Parce que, en fait, ça que nous avons essayé de poser comme problème, non? C'est comme si il y a des gens qui perdent là, par rapport à ce qui a passé là. Et là, M. Ben Dab dit que penser qui est dominant, l'autre a parlé de majorité, etc., penser qui est dominant, c'est penser. Penser conservatrice, réactionnaire. Je dis non. Révisionniste. Je veux croire que non. Mm-hmm. Ça qui domine qu'on y a là dans le pays, peut-être que mon yo pas yo capable articuler les parler de changer système là. Changer système, yo capable fin comprendre ça changer système là, mais bah qui dominant c'est de dire que ça qui existait là qu'on y a là, nous pas vrai. C'est ça qu'a dit là. Mm-hmm. C'est la parole. Maintenant est-ce que vous comprenez système là, d'ailleurs, c'est pour ça que nous là pour nous faire mieux comprendre ça système là. Mais Gombaré dominant qui a passé à travers le pays, tout le monde qui est là, Liliane, ça là. C'est parole dominante qui est dans la rue. Mais est-ce que vous comprenez ni. Est-ce que vous comprenez le plein net dans le monde qui est dans la rue? Parce que moi, il y a trois acteurs qui sont absents dans le mouvement ça. Il y a les paysans, merci. La diaspora et la bourgeoisie. Mais on va dire pas la diaspora.
La diaspora, non. Ouais. Non, Fito. La diaspora, quand même, nous connaissons. Bon, Jean Fito a des questions, faut tenir compte de ça. La question de l'ouverture, la question de la réalité haïtienne en dehors de l'espace géographique. 25 000 km² sont un bas important pour nous qu'aimer le cas d'analyse qu'on a fait pour nous comprendre ce qui s'est passé dans le peuple haïtien. Donc le peuple haïtien, pas résumé, on va écrire géographique, il est Haïti, côté Nia. Donc il est important pour nous prendre ça comme élément. C'est la mondialisation. Oui, mais pas mondialisation, non. Il est haïtien d'abord. Parce que le monde, c'est la mondialisation que, fait ça. Pendant que deux, mais il est Haïti. Je veux dire, le plus gros parti politique qui existait, le Facebook, il y a plus que 2 milliards de membres. Oui. Mais en même temps, tout, sous l'aspect intellectuel, il a amené la croix. Le fait que Mounsa ou Digien, à l'époque que tu as écrit, tu as fait la même masse de population. La masse est beaucoup plus grande. Même rapport à la lecture, là, tout. Parce que Mounsa parle du même genre, quoi. C'est pour ça que Twitter existe. C'est clair. Mais vous-même, quand tu dis, par exemple, son grand utilisateur de Baïsa, ou à Facebook et compagnie. Donc, son amateur de. Évolution et change on va dire automatisme qui gagne ça ou du mal qui réagit c'est pour bagaille sur lui qui mais en même temps sans que pas oublier les fake news et moi même pense gagne pour plus et depuis un paquet de temps depuis peut-être mon 50 dernières années si m'a pas analysé bien la question que les biens parler de Haïti monde qui intellectuel haïtien qui a parlé d'Haïti a yo pas développé une grille d'analyse propre à eux-mêmes sur la question haïtienne mais a cherché des éléments externes pour interpréter réalité ça. On dit par exemple, l'en dit si n'a dit en Haïti l'état haïtien ou bien dit la société haïtienne. Société haïtienne on toujours regarder de son un groupe qui a parlé de Renan en termes de nation la, et l'approche de Renan sur question nation et puis monsieur Ralil. Mais la nation haïtienne jodi a m pa kwè que gen théorie qui développé qui ka expliquer en réalité le jodi a l'en di gen deux sociétés dans le pays qui aller plus loin que presse-passe nous pa gen comme si nous pa gen outil ça comme si comme instrument externe comme si un intellectuel français ou bien allemand ou bien anglais analyser et qu'il banoul comme un élément de compréhension ça et chaque temps nous a les outils ça yo li mette nou en déphasage par rapport à moun ka viv réalité. Ou bien Dantès Bellegarde. Et nou gen tendance à citer moun yo comme des références d'explication de ça nous comprenons nan. Alors que même plusieurs fois m'étaient venu à dire ça, li temps li nécessaire que tout bagage intellectuel que nous gen ou que nous allons apprendre dans toutes les côtes d'université nous fait à travers le monde yo, faire des bagages intellectuel pour la réalité jodi a. Nous avons moins pour et me penser parce que me dire que grand monde effectivement avec des bagages qui extraordinaire oui. Il y a un monsieur un philosophe là que m'a appelé bon pas changer nom pas voulez à faire publicité non plus lui peut-être que nous ca partager ça on est qu'à vivre en Haïti l'autre jour monsieur contexte ça par exemple sous ça qu'a passé là mais m'a regardé monsieur essayé faire l'effort de tous tes outils ça yo de sa théorie maxie, sa théorie tel bagaille, mais ou casse senti dans ça faire gagner ou la donner mais ou pas venir comme des éléments d'explication de cette réalité là et me penser que ça anti gens coupent de monde qui lit nous et monde qui tendez nous parce que j'ai l'impression que ou avec expliquer comme si jodi an t'a vivi. Alors que Jean peut pas y se construire vinn sali jodi a la, pa gen ken pa gen ni et puis moun yo lò di souman lié. C'est parce qu'on joue mal. Si on dit que ça a dit nous gen culture, nous gen histoire, nous gen trajectoire. Moi même dans pays ça.
Je ne peux pas dire la société haïtienne moi-même. Parce que la société cola, c'est le groupe qui a parlé là. Et il y a des gens qui ont bataillé pour entrer là dans la société. Là. Et pour une grande société large qui est dans son nation pays. Là. Donc il y a la nation et l'État. Oui, mais il y a la nation, l'État, mais il y a deux sociétés dans le pays. Il y a deux sociétés, on dit par exemple. Et société, on société. Vous cherchez un bien éventuellement. On prend société, on parle de société nationale large ouverte là. Là, on a une religion vaudou. Écoutez-moi, Mithil. Dans quelle société liée? En la société qu'on a l'État a projeté ça la bataille pour le jeter. Mounan ba yo même système ça permet yo gen justice là-dedans. Yo gen ces deux décisions yo prend comme là-dedans malgré que attaqué yo a frité yo mais quand même yo gen une base yo gen reconnaissance entre yo sur cette base culturelle, sur cette base de religion. Mais son société liée. Mais côté m'a joué une dualité sociétale ça quelque pas mal sorti dehors pour me joindre que société a pays a divisé comme ça et que l'État pas grand rien rapport société ça lui-même. Donc. Seul ça le café, on entre dans une grosse société large, on entre pour le bateau, on entre pour le prendre la chambre, on entre pour le café, on entre pour tout le bagage, l'imposer par la force. Il a saisi le cabrité. Toute qualité de bagage. Mais cependant, question ça, il faut nous développer, il faut nous reconnaître que l'intellectuel de pays, il faut développer capacité d'explication ça, et que l'on étranger a pli, ça m'on écrit même, mais que le joint ça nous-mêmes nous expliquer société mais ça comme élément de confrontation à ça de développer à lui-même. Ça va nous donner l'identité. Okay. Oui, il faut développer approche ça. Donc, mais il y a un petit point sur la presse. Fini. Avant de finir, c'est question de la presse là. Il y a un gros problème, effectivement, question de la presse là. Il y a, par exemple, une presse à citer, pas un problème. Radio et... qui baille plus nouvelles qu'on y a qui tout en tout là oui qui baille animation et qui quoi des bouquets Zénith 102.5 Radio Zénith. Radio Zénith gon gens l'aborder question yo et en deux société surtout au niveau des couches de classe moyenne yo grand pile problème yo pas vivre genre radio ça aborder question yo yo même parler de radio mille collines radio ici une bonne bagaille sur radio ça mais yo pas réaliser que même temps tout il y a des radios qui sont le pendant opposé à ça. Avec ouais. Cette même violence apparente qui paraît dans la radio. Et m'a cité plus un petit Zénith. Je prends le cas de Métropole, par exemple. Je me permets de le faire. Ouais, ben, non, problème. Non, je m'excuse, mais je peux être le faire. Mais à sa manière, c'est quasiment l'équivalent de Radio Zénith. Oui. À sa manière, je peux le dire, c'est qu'on s'allie. Quand on a décidé que chaque temps parle à un monde qui est dans l'opposition, hein, il dit opposition radicale. Mais quand on vous colle ça, la question de radicalité, le moment à vivre, je dis, il retourne à intégrisme religieux, il retourne à théorisme, il retourne à tout bagarre. Donc, vous voulez dire que ça qui apparaît extrémiste dans Yumbo, il gagne pendant le conservatisme. Dans le conservatisme, exactement. Et avec la même violence. Et la même approche, donc, fondamentalement. Mais on va prendre mon seul petit service. On va dire qu'il y a deux tendances radio ça en Haïti. Non, d'accord. Ouais, bon, je m'excuse. Non, parce que je me dis qu'il y a effet et groupe ça. Météo. Ouais. Météo. Mm. Alors, il faut comprendre ça. Et vous n'avez pas nécessairement besoin d'argent pour faire ça, faire, non? Parce que vous faites attention. Il n'y a pas besoin nécessairement, c'est la corruption faire dire, dire, non? Pas comprendre que telle radio, parce qu'il y a l'argent, non? Vous n'avez naturellement pas opposition que choisir ce CTA. C'est comme ça vous le comportez. C'est ça. Nous avons fait dernier tour de table. Malheureusement, on a pression là depuis longtemps. Ouais. Et Jean Figu et Jérémy Maré. Ouais. Bon, moi-même, ça me capable bon, de dire. Système, non. Nous êtes toujours là dedans, nous bien sûr. Nous ne pouvons pas jamais sortir là dedans. Vous avez dit que nous pas dit qui Jean pour sortir là dedans. Nous avons dit son émission inachevée. Oui, oui. Faut nous continuer. Émission inachevée. Ça me capable de dire. Même peuple rendez-vous, mais chaque fois rendez-vous, ça y est. Oui, actualité, on doit ramasser au niveau de l'autre côté. Ouais. Mais d'après ça, d'après qui est nous continuer parce que comment pour sortir là donne. Bon, ça m'a dit. Il faut continuer à réfléchir, à jeter des lumières. Hein? Parce que plus bel exemple que c'est l'exemple de la Révolution française. Hein? Elle a été faite d'abord dans les esprits. Avant de se produire dans les faits. D'accord. C'est-à-dire, monsieur, on s'est couvert d'histoire. Faut que les gens. Faut que projeter. Hein, qu'a projeter, n'est-ce pas, des nouvelles, des idées de contestation, comprendre, critiquer l'ordre établi, etc. Et puis faire des propositions originales, etc. Parce que, bah, c'est leur entrée dans la conscience. Population, hein, c'est ça qui a vu nos forces. La vu nos forces matérielles. Hein? Mais mondialisation et surtout politique néolibérale là, il facilite ça ou bien il vient compliquer? Non, il facilite les
avec des outils de communication rapides, hein, dont parlait Fritz tout à l'heure, que Coréen, d'accord, moi, je dois appeler mon livre là, et puis, bon, bon, c'est moi, je me dis, mon cher, corrigez pour moi, et puis, oui, bon, moi, pour ça, après, je me dis, ça, l'impossible, etc. Et puis, nouvelles lieux, ils ont circulé en temps réel, etc. Donc, ça embarrasse les dictateurs autour, hein, des apprentis dictateurs. Mm. Ça, c'est mon bagage. Maintenant, il y a un bagage négatif, hein, parce que à cause de les idées nocives qui accompagnent les. Oui, mais hein? Application politique néolibérale. Je veux dire, nous, un résultat sur la planète. C'est un levé campé global, mais en même temps, c'est tout le gouvernement. C'est l'innocif. Et comme si quelqu'un a sa proposition au fait, il n'y a pas qu'à satisfaire le peuple. Oui, Lili, c'est ça, nous, l'innocif de ces aspects nocifs-là. La dernière. Hein? C'est-à-dire, cette politique qui passe entre sur l'homme, qui dit, c'est, soit fait l'argent, fais l'argent, fais l'argent, fais l'argent, fais l'argent, pour occuper le peuple. Je dis, ah, nous, c'est ce que tu dis là tout à l'heure, que. C'est tout le peuple aujourd'hui, il dit non, nous pas accepter ça. Parce que d'accord. Au Chili, nous ne disons pas pour 30 centimes, on le veut camper, c'est pour 30 ans. Oui. Mais il y a 30 ans d'injustice parce que c'est Chili. Et côté Milton Friedman fait. Inégalité, hein. Oui, fait vraiment application de théorie choc client. Mm-hmm. Hein, oui. Et donc, et les Chicago Boys. En tout cas. Donc, et c'est nous n'avons l'autre. Parce que les questions qu'a posées, dans quelle période nous sommes là, est-ce que c'est post-1989, la chute du mur de Berlin, est-ce que c'est printemps arabe, dans qui ça nous est exactement? Rechercheur qui a cherché, pourquoi qu'a béton nous? Moi-même, nous avons une période de transition. Nous ne sommes pas capables de ballon, non? Mais Attali te prévoit, Attali dit que nous prenons un embrasement généralisé. Parce qu'il y a trop d'inégalités sur la planète là. Mais c'est la crasse de problème, non? N'est-ce pas? Donc, politique, remettre choix, les FMI, d'accord? Donc, et en même temps, nous voulons tout le bagaille et tout de suite. Bon, alors c'est peut-être ça, il faut que vous gagnez à la tête de l'État le monde qui vous fait confiance et puis le monde qui va appliquer des politiques réellement, n'est-ce pas, de changement progressif, etc. Donc, tout ceci pour dire que ça, son travail, ne doit pas les problèmes de changement de système, non, son bagaille en profondeur, son bagaille sérieux que lui. D'accord. Donc le départ du président Jovenel, ta début sur le président Jovenel, hein, c'est la première étape que la, d'accord. À la première étape et ensuite il faudra continuer. D'accord. Parce que pour enfin afficher ici, même m'inscrit là, même d'amener des noms dans caillou. Ok. Pour parce que effectivement. Bagay pou moun reconnaître kounya la et obligé appuyer même si il t'a pas être contenté ce mouvement populaire que tu as là maintenant mouvement populaire là c'est lui même oui qui pou permettre tout à pied devant c'est lui qui pou permettre que société a joigne une autre façon de paraître quel que soit réactionnaire côtoyer plutôt que c'est là ou appuyer quoi appuyer contraire là. Parce que c'est lui-même qui porteur de progrès, je veux dire là. M'a dit suffisamment. Il n'est pas suffisant parce que vous faites comme dit la guerre des secteurs beaucoup senti. J'ai pas, jusqu'à présent, beaucoup senti ébullition au niveau de, du monde rural, du monde paysan. Et me pensais, il n'est pas loin. Ça y est là comme problème. On dit par exemple, qu'on y a là, on était supposé à récolter. On était supposé à le planter pour y faire la prochaine récolte. Mais tout ça, c'est déjà fait durer. Ma parle aux amis autre jour là, Verrette par exemple. J'avais dit que Zabouka, pas qu'à quitter Verrette. Ah oui. Pas qu'à moi, pour sortir avec eux. Et mon yon fait année à tant de saison Zabouka, pour avoir une capitale, pour moi les 6 prochains mois. Ou bien pour un an même. Donc, ou bien des gens qui peuvent décapitaliser, et qui quand même arrivent par l'obligé de couper les bois, parce que pas d'aucune utilité pour eux. Et le président m'a demandé de manger sinistré. Et justement, pour l'anéantir pour du local exemple, là. Les Sabralvini, c'est un problème grave que le Bralier. Donc, grand pile légèreté dans ça. Donc, moi-même, ouais, ça qui est important et qui porte un changement de progrès qui est dans le pays à la journée là, et puis il ne faut pas négliger tout une émergence de bail capable de ne pas réaliser. Moi-même, monsieur, pour un artiste qui est en publicité pour lui, ou monsieur qui est Mathias, ça tout réserve que nous avons gagné, tout cas, il est seulement. Et puis, moi, monsieur, brusquement, monsieur, devant scène, tout le monde a pris les monsieur, il parle dans la radio. Et puis, moi, monsieur, a bloqué des moules, a dit, mon Dieu, des bagailles, qui moi-même, qui étonne. Donc, vous gagnez
malgré tout ce temps de un dans pays a gon richesse qu'a développé une capacité pour développer te gen mouvement petro challenge que m'pa fond ça passé entre-temps la question de la nouvelle technologie moun y a parlé en même temps gon fait des démobilisateurs faut pas négliger tout non parce que les moun gon tout problème résoudre parce que ouais sur Facebook comment bien oui quand on impose un problème et puis qu'on a une solution de problème là mais qui lui solution pas ces problèmes dans résoudre virtuellement oui il pense que on a résoudre faut faire très attention à ce ça parce que des gens qui tellement vivent sur réseaux sociaux ils croient ils prennent pour réalité oui fito et n'a fini très bien même Liliane me pense que et d'ailleurs depuis on consigne depuis 5 ans dans livre moi me pense que nous arrivons dans fin d'un système économique dans fin d'une histoire économique. Nous arrivons là-dedans. Ça que nous vivons là depuis un bon 5-6 ans, c'est des soubresauts. C'est un bail qui a mouru. L'a mouru parce qu'il y a deux bagailles extrêmement importantes. Il y a l'impression que généralement nous ne prenons pas en considération. Il y a ça que nous relions. Dans notre pays, il y a sa capacité et capacité d'extraction ou bien charge écologique. Ouais, tout vous en bataille entre exploitation que surtout couche qui dominante a fait. De environnement. Nous-mêmes en Haïti, nous arrivons dans un point de rupture là. Côté que depuis 19e siècle là, ça qui sauve nous, pendant que nous dépassons capacité d'extraction, nous, bien charge écologique nous, ça que nous fait, nous l'ouvrons porte là, fermons nous sortir. Ça veut dire si porte la terre était fermée, Liliane. Quand minutes. T'as explosé. T'as explosé. Et, non, et, c'est la principale exportation qui vient de permettre de respirer. C'est 2,5 3 milliards de dollars qui permettent de vivre. Donc, en fait, où Haïti, là, lui-même, nous arrivons dans un point de rupture là. Côté que, et là, ça, mon yo, tout le monde suppose qu'on est, pays qu'on disparaît, même genre civilisation disparaît. Haïti, le fait que nous arrivons en exploitation et extraordinaire de capacité d'extraction, non, pays ça, il a explosé. Et toute manifestation qu'on aime bien pour dans la rue, c'est manifestation ça. C'est un groupe qui dit, vous ne savez pas passé, ouais si bah ils arrêtent comme ça, nous tous à mourir en un pays. Gouaï c'est qui a chidi dit bah on sait dit comme ça va être qu'on est échappé. Donc nous tous à mourir. On a peur pour bah chidi il y a pas une gare pour obliger tout de venir en Haïti. Espérons que non. Maintenant là Lili on m'a dit que la voie de sortie pour moi, la nouvelle les nouvelles technologies de l'information de la communication. Et ça. Je pense qu'il est extrêmement important parce que ce n'est pas vrai. Nous finissons mais en même temps, tout, l'agriculture. Attends, non, attends. Pour moi, nous perdons la première révolution industrielle. Là, nous ne pas là-dedans. Nous perdons la deuxième révolution industrielle. Là, nous en plein dans la troisième révolution industrielle. Et là, c'est l'économie. Mais pas gagner qu'en péché, nous mettons l'industrie campé sous pied. Si nous prenons politique, tout ça. C'est ce que je viens de dire. Mais là, maintenant, si nous mettons l'industrie. Si nous mettons l'industrie campé sous pied, nous ne pouvons pas mettre l'industrie avec la technologie de la deuxième révolution industrielle. Non, 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 avec la nouvelle technologie. Mais maintenant, pour le faire, mon capital de savoir, mon capital de connaissance qu'on a besoin dans le pays. Mais c'est ça que je me dis, il faut que nous ne gardions pas Haïti à l'intérieur de 27 700 km² encore. Il faut nous garder Haïti avec tout capital cognitif que nous avons, Canada, États-Unis, etc. Parce que le Québec, ça Liliane pour avoir vécu là-bas, on connaît le très bien. Québec en 1960, il n'y a pas de capital humain, non, pour faire ça, il y a importé le monde, il y a importé Haïtien, importé Africain, etc. Et nous-mêmes, nous avons un monde qui à la fois bénéficier avec les diaspora que nous vivons, mais en même temps nous perdons tout. Au Cap Medben, c'est pas de professeur à l'école qui va aller non. La pauvreté à cause de ça. Donc on y est là. Mais c'est ça tout, nous avons une politique publique pour nous faire voilà. Voilà, c'est parce que pour une nouvelle émission, moi je pense que ce qualitatif là, nous qu'a fait avec les nouvelles technologies de défense de la communication, côté que nous importer justement connaissance ça, nous importer pas nécessairement haïtien, c'est haïtien. Il y a Cuba qui est tout près de nous, hein. Qui Cuba ont surabondance de monde qualifié, pas fanier, etc. Faut nous pas peur. Gon question de peur, oui, nous non pas traditionnel, faut nous pas peur ça. Nous l'ouvrir porte la fête de mon entrée et c'est monde ça va permettre que nous gagnions capital cognitif pour nous faire ce qualitatif ça vers l'autre Haïti. Et peur pas là, c'est système notre peur. Système notre peur. C'est système organisé peur ça. Yep. Nous peur comme si la compétition parce que c'est non pas compétitif. Correct. Et c'est fondamentalement ça. Nous retourner dans le système non. Pour prendre le monde de temps, il faut avoir de l'audace. Encore de l'audace. Et la merci. Émission ça été possible grâce à Capui Rousmin Louis Saint pour contacter justement Joseph Saint-On alias Jérémy qui te gagne appui toi Joseph Tito et mixage Frédéric Noël. Trois invités, je ne veux dire pour Victor Benoît,
économiste Fridjan et professeur Ted Syndic. Bah, est-ce que nous prenons rendez-vous pour nous finir l'émission? Nous prenons rendez-vous. Nous prenons rendez-vous. L'idéal qu'on n'est pas visé pour rendez-vous avec nous. Nous connaissons depuis le relais. Moi, depuis mon Haïti, tout à fait, c'est ça. Merci et à très bientôt. Yes. Ok. Olapalais.com. Olapalais.com. Olapalais.com.